Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au studio Gabriel. Heureux de vous retrouver comme chaque samedi soir. Nous n'étions pas là samedi dernier pour cause de Téléthon. Heureux donc de nous retrouver ce samedi à nouveau pour le dernier On n'est pas couché de la saison. On se retrouvera en 2018 après avec évidemment Christine Angot et Yann Moix. Bonsoir Christine, bonsoir Yann. Pas d'invité politique ce soir. Nous recevrons un invité très rare sur les plateaux télé, un chanteur, compositeur à qui on doit des titres comme En apesanteur, Face à la mer, Si seulement je pouvais lui manquer, Pomme c'est avant toi, Les feux d'artifice, Le portrait. Se dit, je pourrais en citer des tas d'autres encore, mais il a aussi travaillé pour de nombreux artistes, parmi lesquels Pascal Obispo ou plus récemment Julien Clerc. Ce soir, il vient nous présenter son dernier album, Liberté chérie, porté par la chanson Fondamentale, qu'il nous interprétera en plus en live, le piano est prêt, tout à l'heure. Dans On n'est pas couché. Je vous demande d'applaudir celui qui sera à l'Accor Hôtel Arena à Paris-Bercy les 5 et 6 juin prochains. Voici Calogero dans On n'est pas couché. Calogero qui vient pour son album Liberté chérie. Très heureux de recevoir Calogero, trop rare dans les émissions. Et sa carrière mérite qu'on en parle. Bienvenue Calogero. Accueillons aussi une consoeur. Et oui, c'est devenu une consoeur. Ex-politique, devenue chroniqueuse télé, ex-porte-parole de la France Insoumise pendant plus d'un an et demi auprès de Jean-Luc Mélenchon. Elle était d'ailleurs sa porte-parole dans la campagne présidentielle. Elle a depuis renoncé à sa carrière politique pour se consacrer à une carrière télé aux côtés de Thierry Ardisson dans Les Terriens du Dimanche sur une autre chaîne, C8. Pour la première fois sur notre plateau, je vous demande donc d'accueillir celle qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, Madame Raquel Garrido. Raquel Garrido dans On n'est pas couché pour la première fois. Vous n'avez jamais pu la recevoir en politique. Et il vient en chroniqueuse télé. Bienvenue à vous. Merci d'être ici. Accueillons encore ce soir un comédien, auteur et metteur en scène de théâtre que vous aviez sûrement vu au cinéma dans La gloire de mon père ou Le château de ma mère. Mais il reste avant tout le maître du seul en scène autobiographique, comme l'ont prouvé ses spectacles, La danse du diable ou le roman d'un acteur, L'homme qui danse. On retrouve son héros, son alter ego, justement le fameux Ferdinand dans Adieu Ferdinand, trois nouveaux contes répartis en deux soirées qui se jouent actuellement au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet à Paris. Voici Philippe Cobert. Philippe Cobert qui se met en scène dans son nouveau spectacle, écrit, joué par lui-même, Adieu Ferdinand, au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet. Heureux de vous recevoir, monsieur Cobert. Bienvenue dans On n'est pas couché. Accueillons encore un journaliste, écrivain, auteur entre autres de L'impossible retour, ou plus récemment Les révolutions de Jacques Coscas. Son tout dernier livre est déjà un énorme succès. Il a d'ailleurs été récompensé par le prix Renaudot. C'est La disparition de Joseph Mengele, un livre publié chez Grasset, l'histoire de la cavale en Amérique latine du médecin tortionnaire d'Auschwitz. Voici, pour ce livre étonnant, Olivier Guèze dans On n'est pas couché. Un livre très réussi, passionnant, une enquête romancée, pas tant que ça, une enquête journalistique avant tout, La disparition de Joseph Mengele. Bienvenue Olivier Guèze. Accueillons encore tous les amateurs de foot. Je sais d'ailleurs que dans la chanson Fondamentale, vous évoquez les années Saint-Étienne, Calogero. Bah alors voilà, vous savez sûrement qui est celui qui va nous rejoindre maintenant. Olivier Guèze, pareil d'ailleurs, il adore le football, mais plutôt du côté de Strasbourg. Ceux qui ont suivi la grande épopée des Verts dans les années 70, au début des années 80, savent que cet ancien joueur de football international, trois fois champion de France avec Saint-Étienne, consacré meilleur joueur français de la, à l'époque on disait pas Ligue 1, première division en 1980, fut aussi ensuite agent de joueur pour Anelka, Vieira, Thierry Henry, Ginola, avant de connaître, et c'est ce qu'il va nous raconter, une descente aux enfers. Il raconte tout ça dans son autobiographie « J'ai joué avec le feu », c'est le titre de son livre publié chez Solar, écrit en collaboration avec un journaliste de l'équipe qui s'appelle Bernard Lyons. Je vous demande d'accueillir le meilleur joueur des années, fin des années 70, début des années 80, Jean-François Larios. Jean-François Larios qui publie « J'ai joué avec le feu », le foot, le fric, le dopage, ses amours. Il raconte tout ça
dans un livre étonnant pour tous ceux qui aiment le foot, mais pas seulement, car je crois qu'Yann Moix, qui ne s'intéresse pas spécialement au football, a adoré le livre de Jean-François Larios. Alors là, vraiment, on peut s'attendre à tout dans cette émission. Pourquoi vous avez aimé ça ? Les années 70. C'est-à-dire que je me suis beaucoup intéressé au foot entre 1975 et 1976. Avant, pas du tout. Après, plus du tout. Donc, vous êtes pile tombé dans la case. Coup de chance. Alors, vous connaissiez Larios, Calogero ? Je l'avais en Panini. À vous aussi, en Panini, ouais, alors, ouais. Évidemment. À l'époque du grand Saint-Etienne, en tout cas, ravi de vous recevoir les uns et les autres sur ce plateau. Pour Jean-François Larios, c'est une première. En tout cas, Olivier Gasset, c'est peut-être une première aussi. Ouais, une première pour vous. Calogero, alors vous êtes tellement rare sur les plateaux télé que c'est presque que j'ai envie de vous toucher pour savoir si c'est vrai que vous êtes là. Non, franchement, merci d'avoir accepté. C'est pas moi, en fait. Je suis en mousse, en fait. C'est le petit bonhomme en mousse. Mais oui, on est samedi soir, c'est vrai, j'aurais dû oublier. Alors, il y a un exercice obligé, hein, je suis désolé, vous êtes obligé de passer par là, Calogero, c'est de choisir dans le Facebook une des personnalités qui ont fait, j'allais dire parfois, hélas, l'actualité de la semaine. Qui choisissez-vous ? Forcément Johnny, quoi. Forcément Johnny, ça ouais. Va de soi. Johnny Hallyday qui nous a quittés, ça, c'est pas une information que je vous donne, évidemment, mais dont les chansons nous ont tellement marqué que c'était pas facile de rendre un hommage supplémentaire ce soir, après tous ceux qu'on a pu voir. Alors j'ai trouvé une façon plutôt amusante de rendre hommage à Johnny, c'est de prendre ses chansons et de les coller à l'actualité. Les gens m'appellent Lidon. Bienvenue à vous, hein. Jeune, il en est même qui m'envie. Mais s'il pouvait savoir dans la vie combien tout seul je suis. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie. Je vous chante avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. J'ai un problème. Je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'oublierai ton nom. Laisse le vivre. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Vois ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Allumez le feu, allumez le feu et faire danser les gamins et les vieux. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Je sais même pas de quoi vous me parlez. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Et voilà notre façon de rendre hommage à Johnny l'immortel. Johnny, vous serez sur l'album d'ailleurs qui est déjà enregistré où différents artistes reprennent les chansons de Johnny. Quelle chanson vous reprenez, vous, sur l'album ? J'ai repris une chanson de Didier Barbelivien qui s'appelle Elle m'oublie, une chanson des années 70. Elle m'oublie, magnifique chanson. Un mot sur Johnny Hallyday, quand même, Yann Moix. Johnny, c'est a coïncidé avec la 5e République. Il a fait ses débuts du temps du général de Gaulle et il meurt du temps de Macron. Il les a tous connus, tous tutoyés. Et la deuxième chose qui m'interroge sur Johnny, c'est que tous les intellectuels ont toujours essayé de l'approcher. On a tous essayé, Daniel Rondeau, Philippe Labro et d'autres, des écrivains, de s'accaparer de Johnny d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a toujours essayé d'avoir sa place auprès de Johnny,
qui, dans 99,9% des cas, n'en avait strictement rien à faire. Dans la presse satirique, évidemment, on a rendu hommage à sa façon, à chaque dessinateur, à Johnny. Johnny inhumé à Saint-Barth, par exemple, pour Goubel, c'est dans VSD. Le même Goubel, dans la Charente Libre, nous présente le nouveau producteur de Johnny. Très beau dessin, celui-ci, signé Rançon. Regardez dans Le Parisien, je trouve, il est quand même doué ce Rançon dans Le Parisien. Gabriel, on te demande à l'accueil, je trouve que c'est très joli. La Serpe dans Marianne, l'hommage à Johnny a éclipsé le Téléthon le week-end dernier, c'est vrai. Et on voit un pauvre enfant qui est dans son fauteuil, qui essaie d'aller à l'enterrement et quelqu'un, un flic, lui dit « Oh là, pas de Harley, pas de Champs-Élysées, il fallait être en Harley pour être sur les champs ». Le dessinateur Gio dans Marianne nous présente deux dessins. D'abord ce dessin qui reprend la fameuse phrase de Finkielkraut sur l'hommage à Johnny, puisque M. Finkielkraut a remarqué que les noms sous chien, a-t-il dit, je le cite, brillaient par leur absence. Et le dessinateur lui fait dire « Blanc, c'est blanc !» Voilà pour Finkielkraut. Le même dessinateur nous dit « Le plus dur maintenant, c'est qu'il va falloir supporter les sosies. » C'est pas faux. Il y a ajouté quelque chose, Yann ? Oui, j'ai une anecdote, c'est que quand je tournais Podium, j'avais besoin de deux Johnny Hallyday, et ils n'arrivaient pas à s'entendre entre eux, les deux que j'avais choisis, parce qu'ils s'appelaient tous les deux Johnny Star. Ah oui ? Et une semaine plus tard, ils sont revenus, copains comme cochons, ils étaient très heureux, ils avaient résolu le problème. L'un s'appelait toujours Johnny Star, et l'autre s'appelait Johnny Tsar. Regardez ce dessin encore dans Charlie, dessin de Rice. Comment vivre sans lui, un ours blanc qui dit ça va être dur, et il a la banane de Johnny. Et alors, dans Charlie Hebdo, on a ressorti des dessins de Cabu, parce que Cabu avait déjà parlé de la disparition éventuelle de Johnny Hallyday, parce que quand même, il faut rappeler que Cabu, ça fera bientôt 3 ans qu'il nous a quittés dans les attentats contre Charlie Hebdo. Eh bien, Cabu avait déjà dessiné sur la dernière tournée de Johnny Hallyday. Et regardez cet autre dessin signé Cabu qui faisait dire à quelqu'un dans le public de Johnny « J'ai acheté ses disques, ses fringues, ses lunettes, j'ai même voté pour ses amis, mais là, j'aurais pas dû. » Vous voulez ajouter quelque chose, Raquel Garrido, sur Johnny Hallyday ? Moi, je suis impressionnée par... Parce que c'est vrai qu'à la France insoumise, on s'est un petit peu quand même retiré de cet engouement général. Oui, c'est pas faux, finalement. Ça a été fait. C'était pas forcément très réfléchi, mais je crois que le temps passant, on va finir tous par s'apercevoir qu'il y avait des choses qui étaient peut-être un peu too much. Moi, par exemple, j'ai eu écho que l'Association nationale des motards en colère, qui est la plus grande organisation de motards dans ce pays, voulait participer à l'hommage en descendant les Champs-Élysées également. C'est quand même pas vous qui allez reprendre une information du Canard Enchaîné, Raquel Garrido. Non, c'est, ça vient directement. Ah, mais ils en ont parlé, le Canard Enchaîné. C'est eux qui ont sorti l'affaire. Je ne lis pas le Canard Enchaîné. Mais c'est direct, moi, j'ai l'info directement. Prise à son propre piège, quand même, Raquel Garrido. Ça vient directement des motards en eux-mêmes qui nous ont raconté, effectivement, qu'ils ont voulu descendre les Champs-Élysées et qu'il leur a été refusé. Et il a été refusé au propriétaire d'Harley Davidson qui n'était pas inscrit dans la concession Harley Davidson officielle de descendre les Champs-Élysées. Non, c'est plus que ça. C'est même que les autres marques que Harley n'ont pas pu descendre. Oui, bon, ça, on l'a remarqué. Non, mais ça, on l'a tous vu. Oui. Mais il y avait des propriétaires d'Harley qui eux-mêmes n'ont pas pu descendre non plus parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans le réseau des concessionnaires actuels de Harley-Davidson, c'est-à-dire tous ceux qui se sont fait leur moto de bric et de broc avec leurs propres moyens sans passer par Harley Laguiller, par exemple, ont on été pas exclus. Ah, on n'a pas vu Harley Laguiller non plus dans le... Peut-être, peut-être. Oh oui, j'ose tout. Choisissez-moi plutôt un autre portrait de la semaine, Madame Garrido. Eh bien, je dirais Trump. Donald Trump. Pourquoi Donald Trump ? Donald Trump, parce que, comme vous l'avez dit dans le documentaire humoristique, effectivement, il essaye d'allumer le feu. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation très tendue au niveau mondial. Et lui, on dirait qu'il trouve ça très intéressant de mettre aujourd'hui Israël en danger. Alors, Israël est en danger de toute façon, parce qu'Israël est en guerre. Mais le fait d'actionner ce symbole qui est le déménagement de l'ambassade
depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, ça génère une tension supplémentaire qui ne sera pas supportée à Washington. Elle sera supportée directement en Israël. Il faut expliquer clairement qu'il a officiellement, M. Trump, reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Il s'est fié à l'adage « terre promise, terre due ». Il a dû se dire « bon, bah, comme je n'ai pas réussi à foutre le bordel en Corée du Nord, je vais foutre la merde au Moyen-Orient ». D'ailleurs, le président américain est en train de réaliser, il faut quand même dire, un exploit incroyable, créer une sorte de coalition palestino-nord-coréenne contre lui. Ça, franchement, on ne pouvait pas s'y attendre. On aurait dû y penser avant, au fond. C'est nous aussi qui sommes un peu couillons. Il y a les chrétiens d'Orient et à Washington, il y a le crétin d'Occident. Et c'est vrai qu'on ne devrait pas... Ouais. On ne devrait pas tarder à reconnaître Washington comme capitale de la connerie entre nous. Un mot là-dessus, même si au fond, évidemment... Au fond, il a sûrement raison, mais c'est une question de tempo, comme on dit. Il a réussi quelque chose d'extraordinaire, non réalisé depuis le 7e siècle après Jésus-Christ. Les sunnites sont devenus depuis 10 jours les meilleurs amis des chiites. Rien à ajouter là-dessus, Raquel Garrido ? Non, et autre sujet qui m'intéresse à propos de Trump, c'est qu'il y a une décision très importante qui a été prise cette semaine aux États-Unis, c'est qu'ils remettent en cause la neutralité du net. En fait, la neutralité du net, c'est un principe qui n'existe pas dans les constitutions modernes, puisque justement, aucune n'est moderne, et qui devrait y figurer, c'est le fait que Internet devrait arriver chez chacun dans la même puissance technologique, indépendamment des capacités financières de celui qui reçoit Internet. Et c'est extrêmement grave et ça met un précédent, puisque c'est eux qui ont en plus toutes les grosses machines. Hein, Internet, c'est essentiellement là-bas. Donc ça génère un vrai problème dans le monde entier sur la qualité de l'accès à Internet, qui est une grande liberté fondamentale, à mon avis, aujourd'hui. Vous savez qu'à 4 heures d'émission, vous pouvez respirer. Hein. Merci. Elle arrive à la télé, elle en profite, hein, Raquel Garrido. Philippe Cobert, votre choix de la semaine parmi tous ces portraits. Alors moi, c'est difficile de ne pas choisir Johnny, parce qu'il a eu beaucoup d'importance. Mais il a déjà été choisi, alors. Mais il a déjà été choisi, alors je vais choisir Claude Lelouch. Claude Lelouch. Oui, je vais choisir Claude Lelouch. Vous savez pourquoi Claude Lelouch est dans le Facebook ? Non, alors je ne sais pas du tout. Ah bah alors je vais vous expliquer, tout simplement parce qu'il était aux obsèques de Johnny et qu'il a beaucoup choqué, évidemment, en filmant tout sourire. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ah bah alors, regardons les images et vous commenterez après. Et voilà. Et bien, ça a choqué même Lynn Renault. Elle n'a pas l'air contente, Lynn. Oui, elle lui fait un peu la gueule. D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je trouve que c'est un des plus grands réalisateurs français. Tout le monde dit ça pas. Ça tombe bien, il a travaillé sur le clip de Calogero, fondamental. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, même d'affection en plus, parce qu'il avait coproduit Molière. Mais en plus, j'ai trouvé ça merveilleux de voir Lelouch avec son gros manteau bleu affreux, je ne sais pas où il a trouvé ce manteau, et son petit téléphone en train de filmer. Je me suis dit, mais il peut faire que ça. Lelouch aux obsèques de Johnny, parce qu'il y avait des choses formidables, puis il y a des choses qui étaient dans les genres VIP, tout ça, qui étaient un peu moins sympathiques. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement touchant de voir, Lelouch, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, c'est filmer. Ça ne vous a pas choqué, vous trouvez ça ? Au contraire, j'ai trouvé ça alors extrêmement juste. Moi, je suis d'accord avec Philippe Cobert. Je veux dire, c'est quand même, on est dans une situation, là, Place de la Madeleine, où il y a des caméras partout, il y a la télé, et on ne comprend pas que le type qui est cinéaste sorte un téléphone pour filmer des gens en plus qui sont filmés sans arrêt. Et au moment où on est censé honorer les artistes. Donc je ne comprends pas. Et j'aimerais bien voir le film parce que j'ai trouvé aussi que dans cette journée que j'ai suivie à la télé, c'était horriblement mal filmé par les télévisions, mais vraiment très mal filmé, puisque même Thomas Dutronc, à un moment donné, a dit « Mais arrêtez de nous filmer, filmez les gens, regardez-les, ils chantent. » Là, ils filment les visages. Et au bout d'un moment, on a vu les caméras lourdement essayer d'écouter ce qu'il disait, alors que lui, j'aimerais bien voir... Quand même, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Regardez ce tweet de Stéphane Guillon, par exemple. « La société Claude Lelouch propose d'immortaliser vos décès. Un mort dans la famille, Claude Lelouch vous fournit des images inoubliables de l'événement sur la musique de Shabana Bada. » Non, c'est pas ça. Je suis assez d'accord avec lui quand même, Yann. D'abord, ce qui peut choquer, tout bête, c'est qu'il a filmé avec un iPhone. C'est ça qui semble choquant. Mais vous savez, et là je rejoins mes amis, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Il a filmé quelque chose qui était déjà du cinéma. Il y avait un certain nombre de gens, que je ne vais pas citer ici, dont j'ai trouvé la présence, non pas indécente, mais franchement, non pas pornographique, mais franchement limite. J'ai bien vu que certaines personnes étaient... venu aux obsèques de Johnny Hallyday
comme on va chez Castel pour écouter Pierre Bénichoux dans les meilleurs moments de sa forme. Il y avait quelque chose d'assez déplaisant dans le fait que c'était la réunion la plus VIP de la semaine. Et je pense que parmi ceux qui assistaient à cet enterrement, certains pleuraient véritablement à l'intérieur et d'autres pleuraient uniquement à l'extérieur. Un commentaire. Donc, vous pensez, oui, on ne pensait pas qu'on allait défendre Claude Lelouch à ce point ce soir sur le plateau. Calogero, puisqu'il a travaillé pour vous sur votre dernier clip. Pour moi, c'est un grand artiste. C'est comme si c'était un grand peintre qui peignait comme ça. Voilà, c'est Claude Lelouch qui filme la mort de Johnny. Moi, je suis d'accord avec vous, je suis sûr que le film est magnifique. On aurait adoré, si vous voulez, que Renoir filme les obsèques de Piaf, oui, par exemple. On serait content de les avoir aujourd'hui. Et moi, je préfère que ce soit Claude Lelouch qui filme ça, plutôt que, je sais pas, Gilles Lelouch. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il faut quand même comprendre que maintenant, on fait du cinéma avec un téléphone. Ça, même moi qui suis vieux, je sais, on fait du cinéma avec un téléphone. On a essayé de voir ce que ça donnait. Est-ce qu'on l'a toujours en régie? Regardez ce que ça pouvait donner. Voilà. Regardez aussi ce dessin de Ménégol dans le Figaro. Claude Lelouch qui choque quand même les téléspectateurs en filmant des proches de Johnny Hallyday. On voit Claude Lelouch qui dit couper, c'est dans la boîte. Bon, ça, évidemment. Heureusement, il ne l'a pas dit. À vous de faire un choix, Olivier Guez. Je vais prendre Laurent Wauquiez. Ah oui, Laurent Wauquiez. Ouais. Non, je commente rarement, voire jamais, la politique française, mais je ne connais pas Laurent Wauquiez, mais quand je l'écoute, j'aime pas son ton, j'aime pas tellement ce qu'il dit, je sais pas ce qu'il est en train de faire de la droite française, qui a aussi une tradition libérale, ouverte au monde, ouverte à l'Europe, et je sais pas, il y a un truc qui passe pas. Et il a été pourtant élu dès le premier tour avec presque 75% des voix. Ah oui, alors c'est ça, contre Maëlle de Calan et Florence Portelli. Vous avez raison, il n'y avait personne. Les deux autres candidats à cette élection, on ne les connaît pas. On ne sait pas, c'est à peine si on a retenu leur nom depuis dimanche dernier. Bref, ils ont le profil parfait pour devenir des prochains ministres d'Emmanuel Macron. Mais M. Wauquiez, lui, est devenu tellement à droite qu'à la limite, le seul truc de gauche qu'il a, c'est sa parka rouge. La bonne nouvelle, c'est évidemment, vous l'avez dit en quelque sorte, hein, pour Sens commun et la manif pour tous, ça y est, ils ont enfin leur candidat officiel. En tout cas, c'est bien une preuve que Laurent Wauquiez, contrairement à l'image qu'il essaie de faire croire, est totalement en décalage avec les Français, puisqu'il a été élu dimanche. Et dimanche, c'était peut-être le seul type en France qui était joyeux le lendemain des obsèques de Johnny Hallyday. Olivier Guez dit « Je n'aime pas ce que dit Wauquiez ». Mais je crois que Laurent Wauquiez n'aime pas non plus ce qu'il dit lui-même. Seulement, il y a tellement de gens qui aiment entendre ce que Laurent Wauquiez n'aime pas dire qu'il le dit. Attendez, l'info. Non, la phrase est claire. Oui, c'est vrai. Faudrait un ralenti parfois dans « On n'est pas couché hein ». Comme au football. Jean-François Lariot, c'est à vous justement de choisir la photo, le portrait suivant. Ben, j'hésite entre Jean d'Ormesson et Brigitte Macron, mais je crois que je vais prendre Brigitte Macron. Brigitte Macron, Madame Macron. Alors, elle était présente aux obsèques, et évidemment de Jean d'Ormesson et de Johnny Hallyday, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a mis dans le Facebook cette semaine. C'est évidemment pour cette tradition du panda aux eaux de Beauval, puisqu'il y a quelques jours maintenant, c'était avant la disparition de Jean d'Ormesson et celle de Johnny Hallyday, qui ont un peu effacé le panda, mais elle est allée baptiser le bébé panda dans le zoo de Beauval. Bébé qu'elle a appelé Yuan Meng, ce qui signifie réalisation d'un rêve. Elle ne peut pas s'empêcher de faire référence à son mari, même quand elle donne un nom à un panda. Elle assure, hein, Brigitte. Mais je trouve quand même que pour remercier les Chinois de nous avoir prêté un panda, en échange, on devrait leur filer définitivement Jean-Pierre Raffarin. Ce serait un beau geste. Et d'ailleurs, Alex, dans le courrier Picard, a fait un dessin qui n'est pas loin de ce que je viens de dire. Madame Macron a baptisé le panda et on voit Emmanuel Macron, le président, qui dit « Moi aussi, je veux baptiser le nounours ». Et là, Madame Macron lui dit « Emmanuel, laisse Monsieur Raffarin tranquille ». Pourquoi vous aviez choisi Madame Macron ? Parce que je la trouve vraiment très brillante
et puis que c'est une très, très belle histoire qui arrive avec l'amour qui est entre ces, avec le président, entre ces deux êtres. Ah, vous aimez l'histoire, l'amour oui. entre Brigitte et Emmanuel. C'est sentimental. C'est sentimental. Voilà. Yann Wax, votre choix de la semaine. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson qui n'a pas été choisi. Alors bon choix à Yann, effectivement. Monsieur d'Ormesson qui le 5 décembre dernier a précédé Johnny Hallyday. Alors sur Twitter, Guillaume Tessé qui aime marier les personnalités a trouvé une façon amusante de saluer la mémoire du rocker et celle de l'écrivain en même temps en croisant les deux visages. Regardez ce que ça donne. Une sorte de Johnny d'Ormesson. Et les dessinateurs, eux aussi, sont revenus sur la disparition, évidemment, de l'académicien. Regardez le dessin de Grosse dans Marianne. Jean d'Ormesson est mort. Ça devait finir par arriver, dit un dinosaure. Goubelle dans la Charente libre. Jean d'Ormesson est au paradis. Est-ce que c'est vous qui chantiez Allumer le feu, lui demande Saint-Pierre. Pouzard dans Le canard enchaîné. 700 bikers pour Johnny et 2 Solex pour Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson qui, évidemment, est venu régulièrement nous rendre visite sur ce plateau. Je crois qu'il est venu 7 fois en tout temps. On n'est pas couché. Voilà pourquoi nous aussi, on voulait lui rendre un petit hommage à travers ses différentes présences ici même. Je peux vous appeler Jean d'O maintenant. Oui, vous pouvez. Vous pouvez m'appeler mon lapin rose si vous voulez. J'ai beaucoup travaillé au lieu de baiser quand j'étais jeune. Oui, ah oui, vous êtes jeune. Vous maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est l'inverse. Vous y êtes Chateaubriand ou rien? Oui, rien, je suis rien. Oui. Vous dites avoir été un de ceux qui avaient favorisé l'entrée d'une femme, enfin. Pas du tout. Ah bah si, Marguerite Yourcenar. Ah, pas du tout, je ne l'ai pas favorisé. Oh. Marguerite Yourcenar est entrée par moi et par moi seule à l'Académie française. L'Académie est très vivante, on y meurt beaucoup. J'avais un professeur de philosophie, justement, que j'aimais beaucoup. Et je crois qu'il était amoureux de moi. Il essayait de me convaincre. Et moi, je n'étais pas très convaincable et pas très convaincu. Et alors, il avait un argument que j'ai trouvé formidable. Il m'a dit « Oh, c'est pas parce que je t'enculerai 2 ou 3 fois que tu deviendras pédéraste. » J'ai trouvé ça épatant, non ? La vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être aussi libre que possible et il faut toujours être un peu invraisemblable. Vous êtes unique. Oh, unique, c'est trop dire. Disons qu'il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup comme moi. Est-ce que je peux vous dire un mot de Woody Allen, que j'admire tellement? Bien sûr. On lui dit, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous dans 100 ans? Et il répond, je voudrais qu'on dise, il n'est pas mal pour son âge. Vous rigolez maintenant, mais vous mourrez. Vous mourrez. Peut-être même avant vous, Jean d'Ormesson, puisque vous êtes immortel. Peut-être avant moi, c'est pas sûr, mais c'est possible. La vie, c'est dur pendant 40 ans. Et après? Après, c'est un rêve, on vieillit, on devient gâteux, tout le monde vous aime. C'est absolument ça. On dit n'importe quoi. C'est un miracle que nous soyons nés. Je crois que c'est un bonheur que nous mourons. On ne meurt que parce qu'on a vécu. C'est une chance de mourir. J'ai jamais été un enfant pieux, mais ce n'est pas parce que maintenant je me rapproche de... Enfin, de vous saluer. Je m'approche de me saluer. C'est pas pour ça. Je me suis toujours intéressé à Dieu. Je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire que j'espère qu'il y a autre chose. Je ne sais pas quoi. Mais j'espère qu'il y a autre chose, parce que s'il n'y a pas autre chose, ce monde est vraiment dégueulasse. Pensez à moi de temps en temps. Oui. Vous voulez qu'on continue à penser à vous de temps en temps? Oui. J'aimerais que tous les gens qui sont là viennent à mon enterrement, par exemple. L'enterrement de Victor Hugo. Alors, il y avait 1 million de personnes et tout le monde baisait. Je ne demande pas que tout le monde baise à mon enterrement. Non, mais venez quand même, je vous invite. Ça aurait de la gueule, pourtant. Et voilà notre façon de rendre hommage, nous aussi, à Jean d'Ormesson, qui était, on peut dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il a écrit, on peut dire qu'en télé, c'est ce qu'on appelle un bon client, c'est ça, Yann Moix? Oui, puis là, il dit quelque chose d'assez touchant. Il parle des obsèques de Victor Hugo. Mais les obsèques de Victor Hugo, qui les a eues? C'est Johnny Hallyday. C'est Johnny aujourd'hui qui a eu, d'une certaine manière, les obsèques nationales qu'en 1885, on réservait aux écrivains. Les temps changent. Christine Angot, peu de visages, mais il en reste quelques-uns. Disons Georges Tron.
Ah, monsieur Tron, qui évidemment est devant la justice cette semaine, le maire de Draveil, ex-secrétaire d'État Nicolas Sarkozy, qui comparaissait donc devant le tribunal pour viol, agression. Ces massages de pieds se seraient terminés par des pénétrations digitales, hein, selon les dames qui l'accusent. Regardez ce dessin de Goubel qui le compare à Harvey Weinstein dans La Charente libre. Je trouve que c'est un joli dessin. Et d'ailleurs, pour toutes les victimes de massages de pieds qui déraperaient, parce qu'un massage de pieds peut déraper, je crois qu'il est temps de créer sur Internet ou sur Twitter le hashtag balance ton corps, comme ça au moins on sera tranquille. Je crois qu'il est temps que je rejoigne ceux qui ont accepté de venir ce soir. Pourquoi vous avez choisi monsieur Tron? Bien, j'avais choisi parce que j'ai remarqué que bon, il est quand même mis en examen, enfin je sais pas comment on dit, pour viol en réunion. Voilà, viol en réunion. Et quand je vois la presse, tout le monde ne parle que de la question de la réflexologie, alors qu'on oublie que c'est viol en réunion, c'est-à-dire que c'est un couple. Hein, il y a lui et il y a une femme. Il y a une femme complice. C'est-à-dire c'est un couple qui s'amuse. Et je ne sais pas pourquoi on oublie toujours, enfin c'est très vite fait, on cite toujours la femme qui s'amuse autant que lui, et enfin qui est aussi accusée de viol en réunion. Jamais on ne la cite. Alors que... voilà. Ils sont deux, un homme et une femme, à s'être comportés comme ça, si c'est avéré, parce que pour l'instant, c'est une présomption. Et c'est la justice qui décidera. Je sentais que vous vouliez réagir, non, Philippe Cobert, non? Non. Cette histoire de Tron, ça me paraît complètement surréaliste. Enfin, le monsieur qui masse les pieds... j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, quoi, ce que... Jamais vous vous êtes fait masser les pieds? Parce que la réflexologie plantaire, c'est... Non, mais pas comme ça, par des gens, quelqu'un que je connais pas, qui arrive, qui masse le pied. Enfin, d'après ce que j'ai lu, quoi, c'est complètement surréaliste. Il dit bonjour madame, il lui prend le pied, il lui masse. Paraît totalement... C'est burlesque, enfin, alors apparemment non, puisque en effet, il remontait plus haut. Mais je sais pas trop quoi dire, à part c'est quelque chose de... Un salon est prévu à la fin de cette émission pour ceux qui voudraient de toute façon être détendus, massés au niveau des pieds. Yann Wax, est-ce que vous croyez que je suis en train de me faire faire? Parlons plutôt de l'actualité de nos invités, à commencer par Calogero, qui sera le premier à passer dans le fauteuil tout à l'heure. Voici son nouvel album. Je montre le vinyle, parce qu'après tout, ça devient très à la mode, les vinyles, d'autant plus qu'on achète de moins en moins les CD. Encore que, là, il y a une édition collector avec deux disques à l'intérieur, deux CD, puisque vous avez repris certaines de vos chansons dans d'autres versions, les chansons de l'album qui est sorti il y a combien de temps maintenant? Quelques semaines, quelques mois? En août. Fin août. C'était au mois d'août, avec la fameuse chanson qui a surpris tout le monde, Je joue de la musique, qui est très différente du reste de l'album qu'on a découvert après. Mais en plus de ces premières chansons, il y a effectivement la reprise de trois chansons, alors une en piano-voix, fondamentale d'ailleurs, on aura cette version-là, j'imagine, sur le plateau tout à l'heure. En duo, On se sait par cœur, chanson géniale. Tout de suite, d'ailleurs, j'ai voulu voir qui avait écrit cette chanson, et j'ai été surpris, parce que je me suis dit, si jamais c'est sa femme, Marie Bastide, qui a écrit cette chanson, c'est que ça va mal dans le couple. Ça m'a rassuré parce qu'au fond... C'est Pierre Riss. C'est Pierre Riss. Mais alors, il se trouve qu'elle a quand même écrit une chanson qui n'est pas loin de celle-là non plus. Pas loin. Ah, c'est vrai, t'es pas sur la séparation. Comment font-ils? Donc, on sent quand même que c'est un sujet qui vous préoccupe, on va dire, la longévité du couple. Mm-hmm. Ouais. Effectivement, oui. Mais parce que c'est pas vous qui écrivez les textes, on le sait, vous faites les musiques, mais quand même, j'imagine que quand vous prenez deux textes comme ça, c'est pas par hasard. Je les choisis un peu quand même. Ouais, vous les choisissez. Alors pourquoi il y a deux chansons sur ce sujet-là, par exemple? Parce que c'est fascinant, un couple qui dure quand même, surtout aujourd'hui. Et vous interrogez, comment font-ils? C'est un peu une chanson qui est dédiée à mes parents, par exemple. Eux aussi, ils sont ensemble. Oui, ils sont toujours ensemble. Ouais. Après combien de temps? Plus de 60 ans, peut-être. Ah oui, 60 ans de mariage. Ouais. Donc, c'est à eux qu'est dédiée cette chanson, Comment font-ils? Ouais. Ouais. Tandis que l'autre chanson, alors c'est vrai qu'elle est un peu plus... Elle fait un peu plus sport, On se sait par cœur, mm-hmm. avec un jeu de mots, on se sait par cœur. Mm-hmm. Très belle chanson sur, justement, l'usure du couple, là, ouais. puisque c'est ça. Là, par exemple, quand on vous apporte le texte, pourquoi vous êtes sensible à ce sujet-là, plus qu'à un autre? J'étais très touché par ce texte, mais c'était très, très personnel. C'est une très jolie chanson, On se sait par cœur. Et là, dans le nouveau CD qu'il y a en plus, vous la chantez en duo, alors, avec Clara. Avec Clara Luciani, oui. Voilà. Oui, qui a vraiment beaucoup de talent, elle a de la grâce, je trouve.
Vos chansons, alors moi je suis fan, hein. Vous le savez, je vous l'ai dit à maintes reprises, ça fait des années là, que je réclame que vous veniez sur ce plateau et je vous remercie d'avoir fini par accepter de venir parce que c'est rare quand je le fais d'insister comme ça auprès d'un invité, je le fais même jamais, c'est pas mon genre, mais je trouve que, vos fans vous adorent, ceux qui aiment la chanson vous adorent, mais je trouve que par votre discrétion, on ne sait pas suffisamment le grand compositeur que vous êtes et le faiseur de tubes que vous représentez. Je trouve que vous êtes trop discret, au fond, Calogero. Alors ce soir, on va essayer de montrer plus encore à ceux qui vous ignoreraient. D'ailleurs, mes camarades ne vous connaissent pas si bien que ça. Je pense Yann et Christine. Et vous voyez, voilà, ne serait-ce qu'auprès de Yann et Christine, on va faire découvrir vos chansons. Commençons d'ailleurs tout de suite par quelques récents succès qui se terminent d'ailleurs par le succès de cet été, qui était le premier extrait de l'album « Je joue de la musique ». Quelques tubes signés Calogero. Je joue de la musique, c'était la première chanson extraite de cet album. Les autres étaient d'énormes succès de l'album précédent qui a été un carton, il faut dire. On peut revenir sur quelques-unes. On aura tout à l'heure l'occasion d'écouter d'autres. Des extraits d'autres succès plus anciens. Là, ce sont des chansons récentes, celle-là, ou la dernière de cet album, mais les autres de l'album précédent. Par exemple, la chanson « Avant toi », c'était Alex Baupin, celle-ci qui... Oui, c'est un texte d'Alex Baupin. Très belle chanson, oui. « Avant toi », signée Alex Baupin. Et « Un jour au mauvais endroit », alors. Ça, c'est un texte de Marie, oui. Mercide. Votre compagne. Et donc c'est... Compagne ou femme, d'ailleurs, pardon d'être indiscret. C'est ma compagne. Votre compagne. C'est la mère de mes enfants aussi. La mère de vos enfants. Deux derniers, ouais. Alors, cette chanson « Un jour au mauvais endroit », par exemple, quand elle vous l'écrit, elle l'écrit en fonction aussi d'un sujet qui vous avait intéressé, vous. Oui, quand ce fait divers atroce à Échirolles, c'est là où j'ai grandi, en fait. J'étais extrêmement choqué. En regardant les infos, comme ça, d'entendre déjà le nom de ma ville. Échirolles. Et le fait que ce soit des gamins qui se sont entretués, c'était pas des voyous, c'était pas des gangs, c'est vraiment pour un mauvais regard, des gamins qui se sont lynchés, quoi, à coups de marteau, à coups de couteau. Et oui, j'ai été très, très touché. J'avais besoin de le mettre en chanson. Et Marie a su trouver les bons mots. Et bien sûr, j'ai été voir les familles et faire écouter la chanson avant aux parents de Kevin et Sofiane. Un jour au mauvais endroit, c'était une chanson magnifique de l'album précédent, mais on va revenir sur cet album-là, Liberté chérie. On a terminé ces petits extraits par une chanson que vous avez bien aimée, vous. Alors, je joue de la musique. Elle a un peu déconcerté parfois vos fans, hein, parce que c'était un peu inhabituel. Le petit côté Michel Berger, un peu plus rock peut-être que pop, cette chanson-là. Mais vous avez aimé hein, Je joue de la musique, Christine. Oui, parce qu'au fond, je ne comprends même pas pourquoi tous les musiciens n'ont pas leur chanson qui serait je joue de la musique. Enfin, c'est une chanson qui paraît... évidente. Évidente. Et quand le chanteur la chante, on est sûr qu'il ne nous raconte pas d'histoire. Mais c'est un peu... On est sûr qu'il parle de ce qu'il connaît. En fait, quand la chanson est sortie, ça a un peu décontenancé quelques fans, puisque... J'avais chanté des chansons comme Un jour au mauvais endroit ou Le portrait, où c'était un peu plus écrit. Et là, le texte est très simple, mais en fait, pour moi, il est très profond.
parce que c'est ma déclaration d'amour à la musique, effectivement. Et pour moi, c'est les chansons les plus difficiles à faire, en fait. Et je rêvais d'avoir une chanson comme ça, où enfin on puisse taper du pied en écoutant la chanson, en fait. Et là, c'est encore votre compagne, Marie Bastien. Pour moi, très dur à faire. Qui a fait ce texte. Quel couple, en tout cas. Hein. Franchement, elle, le texte, vous, la musique, ça donne des chansons et des tubes incroyables. Yann Moix. Oui, avec « Et si tu me quittes, je casse ma guitare électrique ». C'est les Who qui cassaient leur guitare électrique. Vous avez enregistré à Abbey Road comme les Beatles. Vous bouchez tous les râteliers, vous. Je suis un grand fan des Who. C'est quoi votre disque préféré des Who? Who's Next. Très bon, on se met en deuxième. Comment? Et en deuxième? Quadrophenia. D'accord. Et en troisième, après on arrête. Ils vous testent, en fait. J'aime beaucoup Sell Out aussi. Ah, pas mal. J'aurais mis The Who Sell Out avant Quadrophenia, mais c'est personnel. Bon, dites, on n'est pas avec Philippe Manœuvre, là, ce soir. Quand même, vous connaissiez mal Calogero, avouez. Oui, je confonds avec Sanseverino. J'aime beaucoup. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ça arrive souvent? Non, mais j'aime beaucoup Sanseverino. Donc d'accord. Ça me plaît non, bien. Non, honnêtement, c'est bien. Mais c'est dit. Non, mais. Il s'en fout, je veux dire. Il remplit les salles, il vend des albums, il s'en fout de toute façon. Vu les applaudissements qu'il y a eu après les divers échantillons qu'on a entendus, c'est certainement pas ce soir, je vais vous dire que c'est de la merde. En plus, je savais pas que vous faisiez du karaté, j'ai appris ça. J'ai fait du karaté quand j'étais môme. Mais vous êtes encore plutôt... Bon, j'en fais plus, là. Ah bon, c'est fini. Non. Vous n'êtes pas capable de... Non. Donc l'album est moyen. Non, c'est un très bon album. Très réussi, avec très belle chanson. On y reviendra tout à l'heure. Calogero chantera en live, en plus, la dernière chanson fondamentale. Mais faisons un petit tour aussi de l'actualité de nos autres invités, à commencer peut-être par le spectacle de Monsieur Cobert, que nous sommes tous allés voir. Des soirs différents, je crois, les uns et les autres. Il se trouve en plus que votre spectacle a la particularité, un soir sur deux, de changer de contenu. Ça s'appelle Adieu Ferdinand. Alors, il y a un soir, vous nous racontez La Baleine et Le Camp de Naturiste. Moi, c'est le spectacle que j'ai vu, je crois, Yann Moix aussi. Et puis, il y a un autre soir. Qu'est-ce que vous racontez d'ailleurs l'autre soir? Ça s'appelle Le Casino de Namur. Et ça, c'est celui que Christine Angot a vu. Qu'on ne voit pas, d'ailleurs, parce qu'il y aura encore un épisode où on va le voir, mais en tout cas, ça précède une visite au casino de Namur, et ça se passe dans une famille de betteraviers au nord de la Belgique. Qui sont joueurs. Et ils sont joueurs, et ils sont... Enfin, c'est pas que ça, il se passe... C'est autobiographique, tout ça. Et donc, Ferdinand, mon alter ego, se retrouve... C'est vous, hein, ami Ferdinand, Bruno. Voilà, il se retrouve dans la famille d'un de leurs amis comédiens belges. Et ils assistent à une sorte de règlement de compte familial, de festin burlesque, j'espère, au milieu de cette famille un petit peu surréaliste et enracinée dans la terre de Belgique. Alors c'est celui que vous avez vu, on commence par vous, Christine. C'est pas vraiment festin, hein, puisque dans festin, les choses se disent, alors que là, rien ne se dit, en revanche, il y a des coups. Enfin, d'ailleurs, on rit dans ce spectacle, mais on rit vraiment jaune, parce que c'est quand même très... Oui. C'est ce qui se dit et sur cette violence au sein de la famille et puis cette guerre entre ceux qui sont artistes et ceux oui. qui travaillent bien vraiment et les goûts en matière de culture qui tracent une séparation entre deux catégories de gens. Enfin moi, de toute façon, bon, Philippe Cobert... Vous l'aviez vu déjà sur scène? Bien sûr, hein, j'avais vu beaucoup de séries de spectacles. Et c'est. D'abord, c'est un très très grand acteur. Et puis surtout, la scène, c'est chez lui. Donc, ce plateau, là, comme ça, cet espace-là. Actuellement à l'Athénée, Louis Jouvet. C'est chez lui. Donc, il sait. Voilà, il sait exactement, et pour les gens, c'est très intéressant de voir ce que c'est qu'un acteur qui travaille, un acteur qui est vraiment acteur, qui joue vraiment, et qui a inspiré tous ceux qui font du seul en scène, comme du seul en scène maintenant, mais lui, c'est vraiment à la frontière de deux choses, hein, c'est vraiment à la frontière de ce qui est appelé dans le spectacle le théâtre de recherche, avec un peu d'ironie en pensant à Ariane Mouchkine, et la frontière du one-man show. Mais enfin, il y a quand même le travail et la technique et la profondeur d'un très grand acteur de théâtre. Et donc, ce qu'il raconte, moi, j'entendais quelqu'un à la fin qui disait, en sortant, « Oh, il y a trop de sujets. »
Eh bien alors, évidemment, parce que ce n'est pas des thématiques, comprenez, c'est des choses qui sont assez profondes, malgré le grotesque comme ça. Et en fait, il n'y a pas du tout trop de sujets. Il y a une ou deux choses bien serrées, mais qui nous renvoient à ce qu'on, à nous. Et enfin, voilà, c'est très fort, quoi, hein, quand même. Vraiment. Ça fait combien de temps que vous jouez Ferdinand? C'était déjà, évidemment, le cas dans La Danse du Diable. Ça fait 30 ans, 40 ans, combien de temps? Ça fait 35 ans que Ferdinand est né en 81, avec l'arrivée de Mitterrand au gouvernement. Et en effet, je ne pensais jamais que ce serait une, je vivrais une telle histoire, mais c'est comme ça, ça c'est les choses... Ça s'est improvisé en plus au départ, cette histoire. C'était des improvisations, et au départ, ce dont parle Christine Angot, et je vous remercie de vos mots, sincèrement, ce dont elle parle, c'est tout simplement une improvisation, et ce sont des improvisations que j'ai fait avec ma mémoire, c'est-à-dire au départ, je voulais écrire des pièces de théâtre, et ce que j'inventais, ce que j'imaginais, ne me satisfaisait pas. Et un jour, grâce à un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Taillade et à Clémence Massard, qui était ma compagne, ils m'ont incité à jouer ma vie. J'ai décidé de la monter parce que je me suis dit, finalement, moi, dans ma famille bourgeoise, beaucoup plus politiquement correcte, avec mes parents, humanis, au fond, j'ai vécu la même chose. Et cette violence dont vous parlez, eh bien, moi, je l'ai connu, cette violence, dans ma famille, de gens tellement gentils, tellement humains, tellement, y compris physiquement, des affrontements avec ma mère, c'était très violent. Les coups, les choses, le fait que, à l'époque, je voulais faire du théâtre et qu'à l'époque, c'était pas du tout encore bien vu dans la société bourgeoise. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Et j'ai connu cet affrontement très, très violent. Je me suis finalement... Cette histoire, bon, avec l'accent belge et tout, qui la rend un peu folklorique, ça n'est jamais qu'une transposition, qu'une allégorie de ma propre histoire. Pour moi, Jean-Marie, puisqu'il s'appelle Jean-Marie, c'est un Ferdinand belge. Voilà, et c'est la rencontre entre ces deux Ferdinands. Alors ça, c'est le spectacle qui s'appelle le Casino de Namur, qui se joue en alternance. Donc c'est le mardi soir. Hein. Écoutez bien, c'est très différent les horaires. Le mardi soir à 19h, les mercredis, vendredis, samedi à 20h, les dimanches à 16h. Profitez-en là jusqu'à la fin de l'année pour aller au théâtre de l'Athénée. Au 14 hein. Janvier. Et jusqu'en janvier aussi. Oui. C'est pas l'atelier, hein, c'est bien le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet dans le 9e arrondissement. Tout près du théâtre Édouard VII, en fait. Hein. Il y a deux théâtres qui sont à proximité l'un de l'autre. Donc, en alternance, ce spectacle qui a été vu par Christine Angot, puis il y aura un autre où là, il y a deux histoires différentes, avec une petite interruption de 2 minutes entre les deux. Une première histoire qui s'appelle La Baleine et une autre, Le Camp Naturiste. Alors, moi, j'ai vu ça, j'avoue. Ça nous plonge dans une autre époque aussi, hein. Cette époque où, justement, faisiez partie du théâtre du Soleil, où, par exemple, il était autorisé, convenu, quand on était en couple avec... Bah, pour le coup, cette fameuse Clémence, c'est Clémence Massard, de dire bah, on se marie, mais attention, on a le droit d'aller voir ailleurs. Et c'est ça que raconte la première partie du spectacle. Sauf que c'est facile comme ça de se le dire, mais quand on est devant les faits, c'est pas si simple à pratiquer. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était déjà comme maintenant, on le faisait pas, ça. C'est moi qui ai eu cette idée-là. Racontez. J'avais envie de me marier avec Clémence, je l'aimais, j'étais fou amoureux d'elle. Mais l'idée de passer devant un maire et de jurer fidélité à ce maire... je parle même pas d'un curé, je me disais, c'est pas possible, je vais jurer un truc dont je sais qu'il va être parjuré, soit par moi, soit par elle, puisqu'on était on s'était rencontrés après multes infidélités, enfin, etc. Comment on va pouvoir... Donc, j'ai imaginé... D'ailleurs, je me rappelle, quand j'ai dit à Ariane, on va se marier, elle m'a fait, ah bon, vous allez vous marier? Je lui ai dit, mais je voudrais bien qu'on se marie à la cartoucherie, et en se promettant infidélité. Ah! Voilà. Et donc, si vous voulez, puis après, on a inventé ça avec Clémence, mais c'est une chose que... Alors, c'est lié à l'époque, mais c'est une chose qu'on a inventée, nous, et je dirais qu'on a tenu parole. Et oui, à un moment donné, vous lui dites, je veux aller voir, je veux aller coucher ailleurs, en gros, alors qu'elle vous a préparé un pot-au-feu, mais vous allez manger le couscous d'une autre, hein, ce soir-là. Parce que c'est ça, Laura, oui. Voilà, mais en fait, vous avez envie qu'elle vous dise, oui, vas-y, tu as le droit d'y aller. Mais ça, elle a du mal à vous le dire. Et bien sûr, je lui dis, la seule solution, il faut que tu me supplies d'y aller. Alors, elle dit non, quand même, je vais y aller. Parce qu'évidemment, voilà, j'ai envie d'y aller, parce que comme je dis à la pièce, j'ai envie de baiser, mais en même temps, je culpabilise. Et puis surtout, une fois que je suis sur place, avec Saloura, Clémence est là.
Vous regrettez c'est le pot-au-feu. Horrible, elle est là, elle commente tout ce qu'on fait, elle commente le repas, elle commente les choses, voilà. Donc, évidemment, elle alerte alors, les après, voisines, tout Marseille. Voilà, alors après, bon, ben, je vais pas raconter l'histoire. C'est très très drôle, évidemment. Voilà, mais encore plus drôle, peut-être, la deuxième partie. Hein, il y a deux parties, comme je l'ai dit, deux histoires. Alors là, c'est l'arrivée à Montalivet-les-Bains. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Montalivet, c'est un camp... Il existe toujours, ce camp naturiste ? Ah oui, bien sûr. Ah, il existe toujours. Oui, oui. Sauf que là, on est quoi dans... Quelles années c'est quand vous arrivez là-bas? C'est 60, 75. C'est pendant que j'étais en Belgique, c'est 80. Parce que ce que vous 79. Nous racontez, ce que vous racontez dans la bouche de Ferdinand, j'imagine, vous l'avez vraiment vécu. Oui, tout est vécu. Tout est vécu. Vous êtes arrivé dans ce camp de naturistes qui tout de suite vous a dit, bah, il faut se mettre à poil comme tout le monde, quoi. Voilà, oui, alors bon là, j'ai chargé un peu parce que c'est je fais des allusions à un camp nazi, c'est pour pas exagérer, et puis à une obligation, etc. Mais c'est vrai que la première fois quand débarque dans un camp naturiste, ça fait quand même un drôle d'effet. Or, il est admis que ça ne doit faire aucun effet, puisque le principe d'un camp naturiste, c'est normal, c'est naturel, tout est normal, tout est naturel, et on est devant des gens avec les yeux comme ça, on ne peut pas s'empêcher. Non, c'est même très drôle. Je peux raconter le début, c'est que vous arrivez en voiture, c'est pas vous, c'est votre frère hein, d'ailleurs, qui baisse la vitre de la voiture pour demander s'il est sur la bonne route, sauf que quand vous êtes dans une voiture et que vous baissez la vitre, la personne évidemment qui vous parle, vous comprenez, c'est pas forcément sa bouche qui vous parle à ce moment-là. Oui. Mais ça n'arrête pas, oui. Ça vous a fait hurler de rire. Bah écoutez... Philippe Cobert est peut-être la seule personne que je ne vais jamais saluer à la fin des spectacles, alors que je vais le voir depuis 20 ans, parce que je considère qu'on ne va pas dans la loge de Molière, de Céline, d'Artaud ou de Jouvet. Je vous considère comme un génie à l'état pur. Les plus grandes émotions que j'ai eues dans ma vie au théâtre, je vous les dois. Certains de vos spectacles ont inspiré certains de mes livres, sans doute inconsciemment. Jamais je n'ai autant ri ou pleuré au théâtre qu'avec vous. Vous êtes un homme fleuve, un homme œuvre, un homme mémoire... un homme burlesque, et grâce à vous, on voit en fait toute la tradition qu'il y a au théâtre, justement depuis Molière, jusqu'à aujourd'hui, avec une immense liberté, un burlesque total et absolu, une caricature de caricature de caricature de caricature, un excès d'excès d'excès qui ressemble à une seule chose, à la vérité, et pour moi, vous êtes le plus grand comédien français vivant, et j'espère que vous serez encore plus immortel que Jean d'Ormesson. Alors là, écoutez, vous avez bien fait de venir. Hein. Je montre La danse du diable, qui existe en DVD. Si vous ne pouvez pas aller voir les nouveaux contes et les nouvelles histoires de Ferdinand, vous pouvez trouver en DVD. C'est filmé par Bernard Dartigues au Théâtre de l'Athénée. Dans le même théâtre, c'est les histoires comiques, fantastiques, précédentes, écrites et jouées toujours par Philippe Cobert. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Je montre maintenant le livre d'Olivier Guèze. La disparition de Joseph Mengele. Alors, lui non plus, il n'a pas vraiment besoin de nous ce soir, Olivier Guèze, parce que son livre marchait même avant qu'il obtienne le prix Renaudot. C'est assez rare pour le dire. C'est vrai, c'était déjà un succès en librairie. En plus, depuis, vous avez eu le prix Renaudot. Et en plus, nous, on va encore dire du bien ce soir. Alors là, écoutez, il ne peut pas vous arriver mieux au final, parce que c'est vrai qu'un succès comme ça, c'est incroyable. Je dis ça parce que je connais les avis de mes deux camarades. Et il y a combien de temps que vous avez eu le Renaudot? 4 ans. Mais c'est vrai que c'est vous cette année qui venez de l'obtenir grâce à ce livre absolument incroyable sur la disparition de Joseph Mengele. Alors Mengele, pour ceux qui l'ignoreraient, c'était ce docteur SS du camp d'Auschwitz qui a disparu dans la nature. Alors d'ailleurs, vous pouvez expliquer peut-être tout de suite, parce que vous le racontez dans le livre, grâce à quoi il a disparu? Grâce à un tatouage qu'il ne s'est pas... Il a pu partir dans la nature. Vous pouvez expliquer ça? Oui, pardon. Donc évidemment, Joseph Mengele est un SS et tous les SS avaient leur groupe sanguin tatoué normalement sous l'aisselle. Et par coquetterie, en fait, lorsque Mengele entre dans la SS en 1938, il ne se fait pas tatouer. Et à la fin de la guerre, donc au printemps 1945, il y a des centaines et des centaines de milliers de soldats allemands sur les routes allemande, mais aussi sur toutes les routes d'Europe. Et à un moment, Mengele est contrôlé par une patrouille américaine et les Américains arrêtaient systématiquement tous les SS. Et Mengele, en fait, va réussir à se noyer dans la masse des soldats allemands parce qu'il n'est pas tatoué. Alors, vous nous racontez son parcours, surtout son arrivée en Argentine, le 22 juin 1949, sous le nom de Helmut Gregor. Et puis, tout ce qui va suivre, évidemment, la façon dont il réussit à être caché pendant toutes ces années-là. On a envie qu'il se fasse prendre, et il ne se fait pas prendre. Il ne se fait pas prendre parce que d'abord, et ça, moi, j'ignorais ça, il est soutenu financièrement par sa famille, c'est-à-dire que sa famille continue à pouvoir financer son escapade, en tout cas,
voilà sa fuite pendant toutes ces années en Argentine, au Paraguay, au Brésil ensuite, et tout ça grâce à son père dans un premier temps, qui continue, eux, une famille qui manifestement a soutenu aussi les nazis, mais eux, ils continuent à pouvoir avoir, on va dire, pignon sur rue en Allemagne et à financer la fuite du mauvais fils, en quelque sorte. Non, mais c'est l'une des choses les plus fascinantes dans cette histoire qui est extrêmement romanesque, qui n'est pas romancée, mais qui est romanesque, c'est la famille de Mengele. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, c'est qu'en fait, la famille de Mengele était richissime. Elle était déjà très puissante avant la guerre. Et après, ils vont monter véritablement une multinationale qui va vendre des brouettes et ensuite surtout des machines agricoles. Et la famille Mengele ne va jamais cesser de soutenir Joseph Mengele pendant les 30 ans de son exil. Et même lorsqu'il va mourir en 1979, pendant 6 ans, ils vont garder le secret. Quelque part, ils se réjouissaient de voir les efforts des chasseurs de nazis et des services secrets qui, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, se mettent véritablement à chercher Mengele. Ils ne disent rien. Et même pendant un certain temps, après la découverte du cadavre, ils vont encore nier l'évidence et notamment ce soutien financier permanent. Et ce qui est étonnant aussi, c'est évidemment la fin de sa vie, parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'en Argentine, ça se passe finalement plutôt pas mal pour lui. Il revient même une fois jusqu'en Europe, en Suisse, pour découvrir son fils, enfin le découvrir, si ce n'est le découvrir, en tout cas le voir, parce qu'il ne le voit plus depuis un moment. Fils qu'on retrouve à la fin du livre, et ça c'est aussi un moment passionnant, parce que si évidemment il n'est jamais passé devant les tribunaux, il a échappé à la justice, en tout cas la justice de son fils, elle frappe à la fin, parce que son fils est devenu un homme de gauche en Allemagne, on peut dire ça comme ça ? Oui, il est de gauche, mais il est de gauche comme tous les enfants nés dans les années 40 ou au début des années 50. C'est-à-dire qu'il y a une telle réaction vis-à-vis de la génération des pères. Et évidemment, vous imaginez, vous arrivez dans une soirée, on vous demande votre nom, vous dites Rolf, Rolf comment ? Rolf Mengele. Et c'est terrible. Et donc lui est dans une position intenable. Parce qu'à la fois, il voudrait dénoncer le père, mais il n'a pas le courage de le faire non plus. Il n'a pas envie de se transformer en parricide. De l'autre, quelque part, il est obligé de le couvrir. Et finalement, il va se résoudre à aller voir son père en 1960. Il est obligé, il pense obligé. Il doit confronter le père. Il n'a pas connu son père. Il entend parler de son père quotidiennement. Il veut avoir une explication, il veut l'entendre. Peut-être qu'il rêve aussi d'avoir un regret, un remords du père. Et c'est pour ça qu'il va au Brésil en 1970. La confrontation est incroyable. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, c'est vrai qu'on ne décroche pas de votre livre, parce que cette confrontation qui arrive à la fin du livre entre le père et le fils est absolument incroyable. Il n'arrive pas à donner de bonnes explications à son fils. Il ne peut pas donner de bonnes explications, puisqu'il ne change pas d'un iota jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier jour. Mais c'est une confrontation presque biblique, d'une certaine manière, parce que c'est le père meurtrier avec le fils qui va voir le père qu'il n'a pas connu, dont il entend parler au quotidien. Et il veut savoir. Il aimerait finalement que son père lui donne peut-être non seulement un seul gage d'humanité. La première chose qui frappe, c'est du fils dont on parle, la première chose qui le frappe est l'odeur de kajibi, du bungalow et la voix chevrotante de son père. Autrefois virile et impérieuse, elle l'avait impressionné enfant pendant leurs vacances à la montagne. Mais Rolf ne se laisse pas émouvoir ni par les larmes que le vieux a versées en l'accueillant, ni par sa main droite difforme et son regard de bête traqué. Son père lui doit enfin la vérité. Je ne raconte pas la suite, mais il y a des passages étonnants, captivants dans ce livre. Je crois que vous avez été passionné, vous aussi, Yann et Christine. C'est un livre d'une extrême intelligence qui méritait vraiment le Renaudot, mais qui aurait mérité aussi le prix Albert Londres. Parce que c'est une véritable enquête où le romancier se cache aussi à un journaliste qui traque la vérité. Et ce que j'ai trouvé vraiment passionnant et intelligent, c'est que finalement l'exil est l'apanage du peuple juif. Et là, on voit un nazisme tropical où les exilés sont précisément les bourreaux, c'est-à-dire les nazis. Et on voit quelqu'un qui est traqué, qui vit dans l'intranquillité et qui, d'une certaine manière, et d'ailleurs c'est intéressant, qui s'appelle Helmut Gregor, puisque l'étymologie de Grégoire, c'est celui qui veille tout le temps, celui qui ne peut jamais dormir. Et donc il rentre dans une vie où le sommeil, d'une certaine manière, va lui être impossible. Une vie qui est toujours en sursis et aussi une vie, et ça c'est très bien rendu dans le livre, où on s'aperçoit que ces nazis, ces bourreaux, ces atroces personnages sont de petites choses qui se plaignent sans cesse de leur sort. Et la disproportion entre ce qu'ils ont infligé à un peuple et leur petite personne, qu'ils ont martyrisé un peuple dont l'exil est finalement la justification métaphysique de leur présence sur Terre, et là, l'exil n'est qu'une fuite par lâcheté, cette dissymétrie est intéressante. Et j'ajouterai que chez Mengele, il y a un paradoxe qui donne le vertige et qui est très bien rendu. Il fait des expériences sur les Juifs pour le bien-être de l'humanité. Les Juifs ne servent finalement que de cobayes à un médecin
qui essayent d'en faire finalement des animaux pour essayer de trouver à l'humanité des remèdes miracles en termes de médecine. Je termine juste sur quelque chose qui m'a aussi frappé et qui est très bien rendu et dont on a vu pas mal de photos. C'est à quel point le quotidien de Mengele dans un camp était que pendant que des gens brûlaient dans des chambres à gaz, se faisaient martyriser, se faisaient laminer, se faisaient exterminer, eh bien, la vie de tous les jours reprenait ses droits. Mengele traversait les saisons, embrassait sa femme, faisait l'amour avec sa femme, se faisait cuire des barbecues. Et finalement, il y avait la juxtaposition entre le décor d'une banalité quasiment, si vous voulez, d'une très grande légèreté. Il baguenaudait autour des cadavres. Et ça, tous ces aspects, et il y en a bien d'autres que j'ai notés, font de ce livre un livre absolument remarquable qui nous éloigne véritablement des livres que je juge personnellement insipides, tels HHHH ou Les Bienveillantes. C'est la première fois, à mon avis, que sur cette période-là, un livre est aussi intelligent. La disparition de Joseph Mengele, c'est chez Grasset. Christine Angot. Vous avez dit tout à l'heure, Laurent, il n'a pas besoin de nous. Et vous avez raison, parce que c'est nous, en effet, qui avons besoin de lui, parce que c'est un livre qui ouvre les yeux, c'est un remède contre la naïveté, c'est un livre qui n'est à aucun moment ambigu. Il n'y a jamais « oh bah oui, mais ça, mais oui, mais bon... » Non, 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 jamais. Ce n'est jamais ambigu. C'est un livre clair, qui ouvre les yeux, qu'il faut lire. Moi, au début, je l'ai commencé, je me suis dit, oh non, un roman historique et tout, pff, là là, quelqu'un qui fait son roman à partir de l'histoire, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie, voilà, ça va me saouler, ça va. Bon, sauf que non, parce que j'apprends tellement de choses. Et les choses que j'apprends ne sont justement pas du registre de l'histoire, parce que c'est toujours incarné, parce que j'imagine que vous avez dû, parce que c'est ça, bon, évidemment, il y a cette histoire, mais il faut se confronter à ce sujet. Je ne sais pas combien de temps vous avez écrit ce livre, mais enfin, il faut vivre avec Mengele tous les jours. Il faut se lever tous les matins en se disant « Ok, j'y vais. Je vais m'occuper de Mengele. Je vais m'occuper de tout ça. » Tous les jours, il faut y aller. Hein. Le soir, il faut se coucher en disant « Demain, je recommence. » Bon, donc voilà, lui, il l'a fait. Et du coup, c'est... Et tu m'as dit quelque chose de très fort dans l'émission. C'est important parce que ce qu'il finit par nous dire, c'est le mal existe. Ouh, le mal existe. Voilà. Après, on peut toujours dire que c'est de l'aveuglement, etc. Le mal existe et il est protégé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accord profond. La collaboration, ce n'est pas juste comme ça des gens vite fait qui n'avaient pas très bien vu ce qui se passait. Non, c'est un accord profond dans le temps et dans l'espace. En Amérique du Sud aussi. Ça traverse les océans. Et tu m'as dit quelque chose dans l'émission que j'ai trouvé très fort. Tu m'as dit, il ne fait pas le malin. Et c'est exactement ce que je dirais également. C'est un livre qui, sur un sujet comme ça, ne fait jamais le malin. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'effet, de style. Et pour autant, c'est-à-dire, je disais, c'est très clair. Il n'y a rien d'ambigu. Et il y a une chose qui est très importante, je trouve, quand on écrit. C'est-à-dire que pour autant, il n'y a jamais de commentaire de l'auteur. Hein, à chaque fois qu'il y a deux versions, parce qu'il y a souvent deux versions, parce que Mengele lui donne aussi sa version, les amis de Mengele aussi, on est toujours dans la situation de pouvoir juger sur pièce de la logique de l'un et de la logique de l'autre. Tout ça vous va, j'imagine. Hein. Autant de compliments d'un coup, ça fait toujours plaisir. C'est le prix Renaudot, c'est signé Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Tout autre sujet, pardon hein, d'enchaîner de façon aussi brutale entre les deux livres, le football, la carrière de Jean-François Larios, l'après-football, parce que votre carrière ne s'arrête pas quand vous quittez les terrains. Vous avez, outre Saint-Étienne, marqué aussi l'histoire de l'équipe de France de football. Vous jouiez aux côtés de Michel Platini. On va pas tout de suite aborder ce sujet-là, Platini, sa femme et vous, parce que c'est évidemment un sujet dont tout le monde parle à propos de la sortie de votre livre, parce que c'était une rumeur dont tout le monde a parlé pendant des années.
années et des années, hein, Larios, on peut le dire, parce que vous le racontez, Larios, c'était le mec qui a couché avec la femme de Platini. Voilà, c'était ça le résumé, on résumait Jean-François Larios avec cette formule. Le mec qui a couché avec la femme de Platini. Alors, heureusement, votre livre ne parle pas que de ça, réhabilite aussi un footballeur qui était quand même autre chose qu'un type qui avait couché avec la femme de son coéquipier. Vous avez quand même été meilleur joueur en 80-82, désigné par les lecteurs de France Football. C'est quand même très important. Et les joueurs aussi de l'époque de chaque équipe. Et les joueurs de l'époque, sélectionnés par Michel Hidalgo pour aller en Coupe du Monde, alors que justement, il y avait déjà cette histoire, mais malgré ça, il vous sélectionne, Hidalgo. Et la femme de Michel Hidalgo, elle est comment? Mais non, mais arrêtez, parce qu'on le fait passer pour un... Remarquez, vous êtes un peu coureur quand même, mais... Ah bon, Oui. Vous le dites vous-même. Mais quand même, vous étiez surtout amoureux. C'est ça que vous expliquez dans ce livre. J'étais amoureux. Et quand on est amoureux, même si c'est la femme d'un collègue... Eh bien, si vous êtes attiré et que la personne est attirée, expliquez-moi comment vous faites si vous avez une passion et de l'amour. Est-ce que vous pouvez résister ou pas? Ben moi, je n'ai pas pu résister. Sauf que ça vous a coûté votre place en équipe de France. Exactement. Parce que c'est vrai que Michel Hidalgo vous a sélectionné pour la Coupe du Monde de foot, mais il vous a fait jouer combien de matchs pendant cette Coupe du Monde? Un match. Voilà. Et dégagé. Et le fameux match dont on parle toujours aujourd'hui, le fameux match France-Allemagne, où ce gardien allemand, Schumacher, sort en avant et casse Battiston devant toutes les caméras, et on en parle dans toutes les familles encore de ce match. Vous n'êtes pas sur le terrain ce jour-là? Non, je suis dans les tribunes parce que Jean-Jacques Bourdin, qui était qui faisait les reportages pour à la Coupe du Monde pour commentateur sportif pour RTL à l'époque. Ouais. C'est ça. Il m'a dit, t'es viré, tu joueras plus. Voilà. Est-ce que Battiston avait couché avec la femme de Schumacher? Non, mais... Si vous ne jouez pas ce match-là, c'est à cause de ça, quand même. Oui, à cause de ça. Parce qu'il ne pouvait plus me supporter dans les vestiaires. Et donc, à partir de là, il fallait bien, de toute façon, je le reconnais, que Michel Platini, c'était la locomotive et que moi, je n'étais qu'un wagon. Donc, le wagon, on peut s'en séparer, mais de la locomotive, on ne peut pas s'en séparer. Et c'est mieux, ça a été mieux pour l'équipe de France. Sauf que non, vous vous dites, si Hidalgo a perdu ce match contre l'Allemagne, c'est parce qu'il ne m'a pas fait jouer. Ah ça, parce que c'est normal. Sur les 6 derniers mois, quand on est à Saint-Etienne, on s'entend très bien, puisqu'on finit vice-champion en finale de la Coupe de France, et qu'à la sortie, je ne vois pas pourquoi Saint-Etienne ça allait, puis après l'équipe de France, ça n'allait pas. Voilà. Donc... Après, c'était son choix et le choix de l'entraîneur. Vraiment un mauvais coucheur, Platini. Ça raconte en tout cas votre carrière. Il n'y a pas que cette histoire. Vous racontez tout. Vous avouez tout. Le côté flambeur, le type qui va au casino, qui se fait interdire de casino. Les histoires d'agent de joueur, parce que vous devenez ensuite agent de joueur et pas de n'importe quel joueur. Hein, quand même, vous évoquez tout. Hein. Alors, la drogue aussi, les petits cachets qu'on vous faisait prendre avant un match important. Alors, pas tout le temps, mais avant un match important. J'ai bien précisé que c'était... je précise bien que je prenais que pour les matchs de Coupe d'Europe, pour être à égalité physique avec toutes les autres équipes que l'on rencontrait. Les Allemands, par exemple? Les Allemands, les Hollandais, les Espagnols ou les pays de l'Est à l'époque. Hein. Oui, mais les cachets, c'est pas des tic-tac, c'est... Non, c'était, je le dis, je le reconnais, c'était les amphétamines, c'était du Captagon, mais je sais que j'en ai pris, et puis voilà, c'est tout. N'aviez, j'imagine, pas forcément entendu parler de Jean-François Larios avant cette semaine, Christine Angot? Par vous, la semaine d'avant. Oui, en disant, on va recevoir Larios. Voilà. Comme moi avec Calogero. Non, mais bon. Cela dit, non, mais c'est évidemment que le foot, de toute façon, à partir du moment où on vit dans ce monde, on ne peut pas, même si on n'est pas fan de foot, on ne peut pas ne pas s'y intéresser, même de loin. Et ce que j'aime bien dans la manière dont vous parlez, et le livre est écrit aussi comme ça, avec un journaliste de l'équipe, hein, il faut le voilà. Le alors dire. Ça, bon, évidemment, c'est ces journalistes qui essayent de reproduire le phrasé oral. Ça, bon, moi, j'aime pas trop. Mais... C'est Bernard Lyon, ce qui a travaillé avec. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour l'actualité, normalement, du football, c'est quand même quelque chose qui est très contrôlé. Enfin, les footballeurs, en tout cas maintenant, ne disent pas n'importe quoi. Ils sont sous contrôle. Ils sont sous contrôle. Et là, tout d'un coup, vous voyez, tout est dit comme ça. Et puis, c'est d'une époque, c'est bien avant. C'est une époque où l'argent, on parle en franc. Vous parlez aussi des prostituées. Enfin, de plein de choses qui, aujourd'hui, sortent dans la presse comme des affaires et sous l'angle de la justice. Mais là, c'est dit d'une manière vraiment... incarné dans la vie de quelqu'un
qui est passé par là, quoi. Disons que ça m'a permis de pouvoir un peu me justifier vis-à-vis de certaines personnes qui ne me connaissaient pas et qui m'ont toujours jugé comme un drôle de coco. Un drôle de coco, alors Yann Moix. Ah oui, j'ai une question à vous poser. J'ai fait les albums Panini, comme Calogero, j'ai fait Football 116, Football 117 et Argentina 118, vous étiez dedans ? Non, Argentina, non. Et dans les deux autres, oui ? 76, 77, oui. Oh, wow. J'aimerais j'ai bien poser track. Une question. Je vais encore poser une question, ah bon. Christine. Non, mais vas-y, je croyais que tu avais... Ah ben non, je n'ai pas commencé. Excuse-moi. Non, mais... vas-y quand même. Allez-y, Christine. Vas-y. Oh, vous faites pas des politesses, on a l'impression de... Lario, c'est Platini qui dit en toi d'abord. Je me demandais, alors évidemment, là, ça serait inversé, mais est-ce qu'il est arrivé, justement, le choix qui a été fait de vous écarter de l'équipe à cause de cette histoire de femme de Platini et tout ça? Et donc, c'était un intérêt personnel, privé, qui venait perturber la relation entre deux joueurs et donc il fallait qu'il y en ait un qui cède la place. Est-ce que c'est comparable à ce qui s'est passé récemment entre Benzema et Valbuena avec l'histoire de la cassette, où tout d'un coup Benzema... Vache, vous connaissez si. Benzema et Valbuena. Non mais franchement là... La fameuse sextape. Et toi aussi t'as bossé qu'un journaliste de l'équipe. Hein. Non mais c'est-à-dire que Benzema à ce moment-là, il privilégie le contact avec ses amis, avec ses copains de quartier, donc un intérêt privé, personnel. Et puis, il estime que ce qui se passera sur le terrain avec Valbuena, c'est finalement secondaire. Et ce qui fait qu'il n'est toujours pas en équipe de France. Est-ce que c'est du même ordre ? Non. Excusez-moi, non. Déjà, pour Karim Benzema, je pense que sincèrement, on n'a pas su toute la vérité. Et je crois qu'on le saura un peu plus tard. Parce que Olivier Guez prépare un bouquin là-dessus. Il adore le foot, alors c'est possible, là, méfiez-vous. Je pense que ça a été trop surfait, cette histoire, et voilà. Non, quant à mon histoire avec, pour moi, l'élection de l'équipe de France, je peux vous dire que quand l'affaire s'est ébruitée en janvier 82, alors que la Coupe du Monde était en juin 82, je suis allé voir Michel Hidalgo, et je vous dis, je lui ai proposé de ne pas aller à la Coupe du Monde, parce que, soi-disant, on m'avait promis de venir avec moi après la saison, donc au mois de juin. Et donc, par respect, comme je m'étais engagé, ma parole et tout, je ne voulais pas après que l'équipe de France soit pénalisée. J'ai dit, Michel Hidalgo, voilà, le dernier match, je dirais que je me suis blessé et que je ne peux pas disputer la Coupe du Monde. Il m'a dit, non, absolument, il faut que tu viennes. Et après, il n'a pas tenu ses engagements. Et tu voulais changer d'avis en voilà. Cours de, donc, et après, en cours de bon, compétition. Après, je l'ai accepté. Et puis après, j'ai eu un coup de fil. Et ben, je reste à la maison. Voilà. Ce qui est drôle que vous racontez, je donne la parole à Yann, c'est quand même que c'est Georges Marchais, le premier, qui met sur la place publique l'affaire. Ouais. Georges Marchais, rendez compte. Oui, les plus jeunes se souviennent peut-être pas de Georges Marchais, mais c'était quelqu'un qui s'intéressait au foot, Marchais. Et il dit à un moment donné... Parce que les politiques se mêlent de tout, même du football. Il y a un problème en équipe de France entre Larios et Platini. Et évidemment, là, tout est parti. Les journalistes, certains savaient déjà et d'autres ont enquêté. Yann Moix. Moi qui suis un grand lecteur de San Antonio, j'ai adoré les titres des chapitres. Par exemple, du maïs au caviar, SDF à Monaco, petite pépé à Yaoundé, un mot de trop à Glasgow, stock car à Saint-Chamond, show de pisse à Newcastle, Pelé fait son cinoche. Une ère, pas de tout repos. Véro, année zéro. Et Atlético, bobo, rideau. Ça, j'ai adoré ces titres de chapitres. Ça pourrait être du Frédéric Dard, effectivement. Le foot, le fric, le dopage, mes amours, mes emmerdes, c'est chez Solar Édition. Jean-François Larios raconte tout. J'ai joué avec le feu. C'est le titre de son autobiographie. Raquel Garrido. Mais pas de livre à vendre. Pas cette année, non. Pas de disque encore, mais je sens qu'un jour vous chanterez peut-être. Je crois que c'est. Non, c'est quoi, c'est une sœur à vous qui chante bien, je crois. Ma petite sœur est une chanteuse. Voilà, votre petite sœur qui chante dans The Voice au Canada. Elle a fait, oui, le télécrochet québécois qui s'appelle La Voix. Parce qu'au Québec, on parle français. C'est vrai. Donc ça s'appelle La Voix et c'est une émission très importante là-bas parce qu'au Québec, je crois qu'il y a peut-être 11 millions d'habitants aujourd'hui. Et je crois qu'il y a 7 millions d'audience ah oui, quand même. À La Voix. Et ils passent 3 fois par semaine. Donc ils connaissent tous votre sœur Ben, disons qu'après être passée à La Voix, ça a mis un petit coup de booster à sa carrière là-bas. Mais maintenant, elle est au Chili. Bah, ah oui. Elle a décidé de rentrer au Chili. Dans son... Alors, j'allais dire son pays d'origine, peut-être pas, parce que je ne sais pas où elle est née. Vous... Non, elle est née à Toronto. Elle est née au Canada. Voilà. Vous, en revanche, c'est la différence avec votre sœur. Vous êtes née là-bas. Oui, moi, je suis née à Valparaíso. Et vous êtes partie ensuite avec vos parents
au Canada. Oui. Vous avez même été arbitre là-bas au Canada de hockey sur glace, c'est vrai ça? Oui, c'est mon premier métier. Entre guillemets, c'est mon premier job, quoi. Comme vous jouiez pas assez bien, vous avez fait arbitre. Non, non, c'est l'inverse. C'est parce que je jouais très, très bien que j'étais en plus arbitre et j'étais la. On est modeste hein, chez les Garrido. Hein. Oui, bon. En tout cas, vous avez un parcours étonnant. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai, du hockey sur glace au barreau, puisque vous êtes quand même avocate, toujours aujourd'hui avocate. Oui, oui, je suis une avocate depuis peu. Je suis devenue avocate sur le tard, après une reconversion professionnelle, quand mes deux grandes sont sorties des couches. Je suis retournée à la fac et j'ai passé l'examen du barreau en 2011. La politique, alors ça évidemment, quand on vous a découvert, nous, sur les antennes de télévision, c'était pas en tant que chroniqueuse, mais en tant qu'invitée politique pour défendre la campagne de Jean-Luc Mélenchon, que vous avez quitté, je sais pas si vous le voyez encore, Jean-Luc Mélenchon, mais par votre compagnon qu'on a reçu ici, lui, en invité politique, j'imagine que vous le côtoyez encore un peu, mais tout ça, c'est du passé. Maintenant, vous êtes une consœur à moi, en quelque sorte. Non, je me suis dit, tiens, peut-être que, comme ça sort est devenue célèbre à la télé au Canada et veut devenir célèbre à la télé en France. Est-ce que c'est ça? Bon, d'abord, mon engagement militant m'a conduit à beaucoup être en public, sur scène, dans les meetings, et puis voir la télévision. Bon, vous savez, pourquoi est-ce que le système vous sélectionne, vous, à un moment donné, pour vous inviter dans les débats? C'est assez mystérieux, hein. C'est jamais les états-majors parce qui décident. Parce que vous êtes bavarde, bonne cliente, que vous défendiez bien les idées de Mélenchon. Mais même bon client, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, en définitive, les donneurs d'ordre en la matière, ce sont les chaînes de télévision. C'est sûr. Et je n'ai jamais tiré une gloire personnelle du fait d'être celle qu'on invitait beaucoup à la télévision, parce que je me disais, ça va, ça vient. Les raisons pour lesquelles c'est moi, c'est pas forcément que je suis meilleure que mes petits camarades. Bon, il se trouve qu'au final, il y avait un format qui était celui essentiellement des chaînes d'information continue, où il fallait être capable, dans des débats de 10 minutes, avec deux ou trois personnes, d'aligner 3-4 idées qui fassent à peu près sens, qui soient compréhensibles par beaucoup de monde, et construire comme ça une espèce d'enracinement loin vis-à-vis des gens qui sont loin de la politique. Bon, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'étais pas une professionnelle, j'ai jamais été une professionnelle de la politique, ni permanente politique, ni élue. Je l'ai toujours fait bénévolement, mais la télévision m'a donné un protagonisme différent de celui de mes petits camarades, parce que justement, j'étais à la télé tout le temps. On vous croit, mais la seule chose qu'on croit pas, c'est que vous avez réussi à faire tout ça en 10 minutes. En 10 minutes? Ah oui, là... Je veux dire qu'elle est vraiment bavarde. Non, mais là, j'ai 10 compris. Minutes pour vous, c'est 2 secondes mais attendez, pour nous. Mais là je vois, je compare à nous, notre émission Les Terriens du Dimanche, là, le temps qu'on passe à discuter des œuvres... des invités, c'est intéressant, c'est long. Hein. Ah bah, c'est l'émission long. Dure 3 heures, la nôtre, hein, par rapport à celle de Thierry Ardisson. C'est bien. Moi, j'ai l'habitude, du coup, de. Quand on n'a pas d'œuvre, c'est plus difficile. Pardon ? Quand on n'a pas d'œuvre et qu'on vient ici, c'est plus difficile. En effet. C'est une vacherie, ça, alors. Oh, il n'y en a pas une seule depuis le début, je me dis quand même que. C'est pas elle qui va tout prendre, quand même. Si. Que les téléspectateurs vont s'ennuyer. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant de vous voir ce soir. En fait, on vous sent quand même soulagé. Je vous ai croisé dans les couloirs avant. Je ne connaissais pas. Vous m'avez rappelé qu'on s'était peut-être croisé il y a 10 ou 15 ans dans un théâtre, mais vraiment, on ne s'était jamais rencontrés. Et l'image que j'avais de vous sur les plateaux pendant la campagne était quand même de quelqu'un très, très virulent. Puis on a l'impression que vous vous êtes assagi, arrondi, que vous avez envie d'être aimé de tous aujourd'hui. Non, pas spécialement. Pas plus que les autres, je ne sais pas. Mais c'est évident que l'adversité politique, dans un moment d'intensité comme une présidentielle, donne lieu à des affrontements qui ne sont pas ceux de ta télévision où on parle culture. Quoi. Le soir du premier tour, par exemple. La culture, je vous dis tout de suite, il y a des affrontements. Hein. Oui, mais par exemple, ce soir, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a que des gens de qualité. Le soir du premier tour, par exemple, vous étiez sur les plateaux quand Jean-Luc Mélenchon a eu du mal à digérer sa défaite, sa quatrième place, hein, parce que rappelons-le quand même, et il nous fait croire qu'il était troisième, mais il était quand même quatrième, Mélenchon. Et vous non plus, vous n'avez pas été spécialement doué ce soir-là, le soir du premier tour. Ah, mais j'ai été ultra mauvaise. Ah. J'ai été très mauvaise le soir... Et vraiment, c'est un ratage, ça, au sein de la France insoumise, le soir du premier tour. Disons que moi, j'en garde une certaine amertume parce que la campagne était magnifique, extraordinaire. Vraiment, on a beaucoup construit, on a amené nos idées à un niveau de rayonnement très important. Et on a été mauvais gagnants. On a beaucoup dit de nous qu'on avait été mauvais perdants. Mais en fait, ce n'est pas ça le fond de l'affaire. C'est qu'on a été mauvais gagnants. C'est-à-dire que le soir, on n'a pas été capable de verbaliser ces choses magnifiques que nous avions semées
dans la tête et le cœur de millions de nos compatriotes et qui sont là pour rester. Et on n'avait pas les mots pour le dire et planter ce drapeau avec beaucoup d'espoir. En 2007, pas, voilà. Ségolène Royal avait été meilleure perdante, par exemple. Peut-être, je ne sais plus. Mais c'est étrange. Ça n'a pas non plus gardé un souvenir impérissable. C'est étrange que vous disiez « j'ai été mauvaise ce soir-là du premier tour », parce que moi, en effet, je vous avais vu ce soir-là du premier tour, et je ne sais pas si vous avez trouvé mauvaise, mais je vous avais surtout trouvé très antipathique, à vrai dire. et en effet, on est très surpris, parce que là, maintenant, vous êtes vraiment sympathique. Et d'ailleurs, vous me faites penser... La soirée n'est pas terminée. Vous me faites penser... Non, mais c'est vrai, c'est une rupture d'image totale. À une photo que j'ai vue dans l'Obs, où vous étiez jeune militante, et vous êtes super mignonne. Et là, c'est la même qu'on retrouve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et je me dis qu'il y a peut-être une explication, qui est sans doute qu'au fond, ce que vous aviez à faire ce soir-là, c'était pas de montrer votre personne, c'était, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, de faire passer un message que vous acceptiez de faire passer. C'était votre job, votre fonction. Le message en question, même si là, vous nous l'avez resservi, vite fait, bien fait, avec un autre emballage, en nous disant que vous aviez été des mauvais gagnants et qu'au fond, vous avez fait tellement de choses formidables qui vont rester. Au fond, c'est le même message avec un autre emballage. Et donc, vous n'avez pas complètement renoncé à faire passer ce message qui avait été tellement désagréable à entendre quand on regardait cette émission, le soir du premier tour. Et au fond, ce qu'on peut se dire, c'est que les gens qui, à toute force, se font les interprètes d'un parti politique, à savoir d'une machine, deviennent forcément antipathiques. Peut-être. Peut-être que le fait de singulariser une idée politique, de l'incarner autour de personnes, avec ce système médiatique qui nous jette dans une arène où on se plie au code pour justement rester dans le système médiatique, peut-être que c'est forcément antipathique. Mais moi, je continue de penser... Néanmoins que... Vous dites on se plie au code, mais finalement, les personnalités politiques qui se détachent sont celles qui ne se plient pas tout à fait au code. En tout cas, le mouvement dégagiste, j'espère qu'on durera à ce que celles et ceux qui émergent sont précisément ceux qui ne respectent pas les codes, précisément ceux qui adoptent une parole très libre et qui acceptent d'avancer non pas... Voilà, comme un bloc, mais dans quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus vaporeux, comme dit Mélenchon, et qui, au final, donne sa place à chacun, à l'antenne, mais aussi, surtout, sur le terrain. Donc, vous y croyez? Ah oui. Toujours. Yann Moix. Pourquoi est-ce que, là, on vous entend, il y a une certaine douceur, une certaine sympathie qui se dégage de vous? La question qui m'a toujours interrogé, c'est pourquoi il y a, chez une frange des mélenchonistes, des gens aussi haineux? C'est une question qui m'obsède, puisque j'en fais personnellement les frais, mais je ne suis pas le seul. Pourquoi est-ce que le logiciel haïssant d'un certain nombre de mélenchonistes est-il celui des menaces, des insultes, de l'insupportabilité de la moindre critique, de l'irrecevabilité de la moindre nuance qu'on peut apporter au programme? Comment est-ce que vous expliquez que, dans une frange de vos électeurs, il y a des gens aussi haineux, aussi violents, aussi proches, finalement, du logiciel du FN? Vous en faites partie quand vous dites « putaclic », par exemple. Mais vraiment quelque chose de nauséabond, des menaces régulières. La haine, notamment dans les réseaux sociaux, n'est pas l'apanage que... Alors, je ne parle plus des réseaux sociaux, mais dans la rue aussi, par exemple. Pourquoi est-ce que vous incarnez... Alors, il ne faut pas... Vous aimantez aussi des gens aussi haineux. À mon avis, il ne faut pas mélanger forcément ce qui se passe dans un face-à-face humain, charnel dans la rue, avec ce qu'on voit en ligne. Et peut-être en ligne, des fois, il y a des choses dont, je ne sais pas... C'est forcément condamnable, mais les gens sont cachés, ils sont dans l'anonymité, donc ils y vont sans égard. Ce qui se passe dans la rue, cette violence qu'il y a dans la rue... Pourquoi est-ce que la critique de Jean-Luc Mélenchon est-il un cri de lèse-majesté? Permettez que la question de la violence qui existe dans ce pays... Non, la question est pourquoi Jean-Luc Mélenchon, indépendamment de la question de vos électeurs, est insupportable. Pourquoi vous essayez... On a compris la question. Non, c'est pas ça. Non, mais répond à autre chose. Moi, je pense, premièrement, que notre société est violente. J'étais en Argentine en 2001 pour le boulot. À l'époque, je travaillais pour un syndicat. Et donc, j'ai vécu toute la période qui s'en aille tous, que se vayan todos. J'avais un ami, il était député, syndicaliste. Le gars, il s'était battu contre la privatisation d'Aerolíneas Argentinas. Il était adoré à gauche, d'accord? Il ne pouvait plus se balader dans la rue avec sa plaque
de parlementaires parce qu'ils se faisaient caillasser. C'était la même chose pour les dirigeants syndicaux qui étaient barricadés dans leurs sièges syndicaux. Quand la colère, elle monte et qu'elle est là, il y a un moment donné où, évidemment, les choses ne peuvent plus... Non, je ne dis pas que ça s'excuse. Je dis qu'il vaut mieux le voir à temps et il vaut mieux construire des modalités de paix, des modalités pacifiques pour résoudre ces sujets-là. C'est pour ça que moi, je me suis toujours battue sur la question de l'Assemblée constituante et de la modification de nos règles fondamentales. Je pense que c'est la seule modalité pacifique. Et de la représentativité des électeurs. Oui, parce que sinon, effectivement, si on ne laisse pas se représenter politiquement et pacifiquement cette colère qui existe dans la société, elle finira à coup de pied. Et je le déplore, je le déplore. Moi, je me suis toujours battue pour des solutions d'amour, des solutions d'empathie, qui sont franchement le programme des Insoumis. On ne peut pas dire que ce soit haineux. Le partage, la protection de l'écosystème, c'est plutôt des choses sympathiques. Le dégagisme, c'est une observation. Mais il faut en tirer des conséquences. Ça, il ne suffit pas de vouloir être dégagiste. D'ailleurs, ça ne veut rien dire. Non, le mot est quand même tout sauf pacifique. Moi, je trouve que c'est finement observé. La question était pourquoi le grand leader sérénissime est-il incritiquable? C'était ça ma question, vous n'y avez pas répondu. Mais comme parce qu'il n'y a pas de grand leader sérénissime et parce que vous avez manifestement le droit de critiquer comme tout le monde dans ce pays. D'accord. C'est vrai. Alors, on est en liberté, ça me permettra un enchaînement formidable avec l'album de Calogero, La Liberté Chérie. On en profite bien quand même, rappelons-le, en France. Vous êtes d'accord avec ça, Calogero, mais vous aussi, Raquel Garrido, parce que non, ça va être votre tour. Vous avez quand même la liberté de pouvoir vous exprimer, y compris d'ailleurs sur une chaîne du groupe Bolloré. C'est quand même ça, à un moment donné, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire là-bas? Vous pouvez dire ce que vous voulez chez Bolloré? Ça, bien sûr, bien sûr. Et moi, ce qui me frappe, vous profitez d'être ici pour dire des trucs que vous ne pouvez pas dire là-bas. Mais observez que c'est précisément là-bas que vous avez une émission où il y a une palette aussi large d'opinions. Quand vous avez Golnadel, voilà, moi-même, Gisbert, tous les âges aussi, Jérém Star, Gisbert, Natacha Polony, vous avez toutes les couleurs de peau, vous avez toutes les religions. Bon, c'est United Colors of Benetton, cette émission, à la fois du point de vue des couleurs... Monarchie avec Thierry Ardisson. Oui, non, mais même la monarchie, vous avez raison. Donc, en fait, mais moi, je me dis, mais comment ça se fait que cette émission n'existe pas sur service public? Ou une, pas celle-ci précisément, mais cette vocation d'être hyper représentatif, c'est-à-dire de chercher quasiment l'exhaustivité, elle n'existe pas. On espère quand même que Jérém Star n'est pas si représentatif que ça. Détrompez-vous. Allez. Détrompez-vous. On parle chansons. Ça va nous soulager, ça va nous faire du bien. On va parler des chansons de Calogero qui s'installe maintenant dans le fauteuil. C'est à vous. Liberté chérie. Ah oui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'ici, on entend beaucoup de choses. On n'est pas habitué à faire ce genre de plateau, je le sais, mais j'espère que vous ennuyez pas trop pour l'instant. Non, ça va bien. On vous a donné envie de lire certains... justement, tiens, parlons de Saint-Étienne. Vous évoquez, dans la fameuse chanson fondamentale qu'on écoutera tout à l'heure, vous évoquez Saint-Étienne. Pourquoi c'était aussi une époque vraiment marquante pour vous? Ah oui, c'était... En plus, c'est mes frères qui sont... vraiment très très fan de foot, et comme moi j'étais le dernier, mes frères aînés c'était mes héros un peu, donc ils étaient dingues de Saint-Étienne, et moi je suis très impressionné d'avoir Jean-François Larrius devant moi ce soir. Je sais que mes frères, derrière leur télé, ils sont ravis aussi. Le livre de Olivier Guez, évidemment, sur la disparition de Mengele, va forcément vous intéresser aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a une très belle chanson sur votre nouvel album qui s'appelle Le vélo d'hiver. On s'interrogeait d'ailleurs tout à l'heure en coulisses, oui. Oui, j'ai une petite interrogation, parce que le Veldiv, tout le monde connaît l'expression. Le vélodrome d'hiver, tout le monde connaît l'expression. Mais le vélo d'hiver, c'est vous qui avez inventé cette expression. C'est Marie. Mais oui. Ça, le problème. Sa compagne. Et auteur. Je trouve très bien qu'on fasse une chanson sur ce sujet. Mais je me demandais si le vélo d'hiver, finalement, ça parlait. Parce que c'est une expression qui n'est pas incarnée par quoi que ce soit. Non, c'est vrai. Et donc, c'est difficile de... Mais moi, j'aime bien... Mais c'est voulu, j'imagine. Oui. Déjà, c'était... Cette chanson, pour moi, c'est un devoir de mémoire. C'est de la chanter un petit peu comme un conteur à des enfants. Mmh. Enfin. Et de chanter comme ça, frontalement, sur ce sujet, c'était quand même assez touchy. Très difficile. Pas très difficile. Donc... Mais l'idée... vous avez l'impression que c'est frontal, parce qu'au contraire, moi, quand j'ai écouté cette chanson, où j'avais vu la présentation de la chanson avant, c'est-à-dire que ça correspondait, comme vous venez de le dire, à une volonté de se souvenir et de faire en sorte que les gens aient la mémoire de la rafle du Veldiv. Mm-hmm. Or, quand on entend la chanson,
la presque totalité de la chanson concerne comment c'était avant, les sportifs, etc. La joie qu'il y avait dans cette chanson. La joie. Bon. C'était le Bercy de l'époque un peu. Voilà. Et puis finalement, la chanson parle de ça. Et il y a juste à la fin une ligne, famille de déportés. Et je ne vois pas comment cette chanson peut remplir le projet que vous êtes fixé, à savoir de devoir de mémoire, puisqu'il y a... pas le mot rafle, il n'y a pas le mot juif, il n'y a pas du tout. C'est une chanson qui est intéressante, mais qui ne remplit pas son devoir. Alors, ça, c'est votre avis, mais moi, je pense que... Je ne suis pas d'accord non plus, mais... c'était important pour moi de parler à la place de la salle de spectacle, c'est-à-dire de ne pas... Ouais, le Veldiv parle à la première personne. Voilà, et d'être témoin de la venue d'Yvette Horner, je pense que ça explique quand même assez clairement de Piaf, les boxeurs, et que dans un endroit aussi joyeux qu'il ait pu avoir une horreur pareille par la police française. Un endroit qui a été détourné de sa fonction première. Oui, et ce qu'on ne dit pas dans la chanson, mais on ne peut pas tout dire dans une chanson, c'est court une chanson. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y avait que des vieillards et des enfants. Moi, je trouve que c'est une très jolie chanson et effectivement qui permettra à votre public jeune de s'intéresser peut-être plus encore à cette salle qu'ils ne connaissent pas forcément, dont ils entendent parfois parler. On entend parler du Veldiv, de la rafle du Veldiv. Voilà, le vélo d'hiver, c'est une façon effectivement de raconter ce que ça a été et ce que c'est tristement devenu ensuite. Il y a plein de magnifiques chansons sur votre album. Je vous le dis parce que je l'ai écouté et je l'écouterai en boucle tellement j'ai aimé 1987 parce que bon là, c'est une époque qu'on a tous connue. Ça nous rappelle un peu comme les noms qu'on voit dans le bouquin de Larios, des tas de choses qu'on a aimées. Julie, magnifique chanson sur la solitude du jeune fille. À perte de vue, magnifique chanson. Ce qui a écrit à perte de vue ? Paul École. Ah, très réussi. J'ai parlé de On se sait par cœur. Le baiser sans prénom, c'est magnifique aussi. Maison, j'adore aussi cette chanson. J'ai fait le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 chansons sur 13 dans un album, c'est quand même très, très rare. Non, mais vraiment, je vous dis chapeau, parce que vous êtes vraiment doué pour faire des chansons qui marquent et des chansons qu'on a envie d'écouter et réécouter. Je vais redonner la parole à Yann et à Christine, mais j'aimerais qu'on redonne peut-être quelques extraits de chansons qui ont fait votre succès. Alors là, on parle de vos succès solo, parce qu'il y a eu un groupe d'abord, mais on y viendra. Votre carrière solo a commencé par des chansons mais qui restent dans les mémoires, que parfois peut-être on a oublié, mais ça va rafraîchir un peu la mémoire de Christine et de Yann. J'imagine, vous allez nous le dire après, que vous chanterez tout ça à Bercy. Dernière chanson. Là, on a affaire à des chansons incontournables, j'imagine. Vous êtes obligé de les chanter sur scène, toutes celles-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand les Rolling Stones chantent pas
Satisfaction, je me fâche. Donc je ne vais pas faire pareil. Donc vous chantez forcément Si seulement je pouvais lui manquer. Cette chanson d'ailleurs est d'autant plus incroyable qu'elle raconte le manque du père. Ça n'a pas été votre cas, vous? Ouais. Non, alors, mon père, il a été très présent. Voilà. Pourquoi alors présent. Comment vous avez pu vous approprier à ce point cette chanson? J'aime bien. Je pense que chanter que ma vie, au bout d'un moment, on a vite fait le tour. Hein. Donc j'aime bien me mettre dans la peau de personnage, un peu comme Aznavour quand il chante comme ils disent. La peau de personnage, un peu comme un acteur. Il y avait d'ailleurs, pardon, je vous interromps, une très jolie chanson aussi sur l'album précédent, sur le Coming Out. Comment c'était le titre de C'était J'ai le droit aussi. J'ai le droit aussi, très jolie chanson. Aussi. Et oui, ça me paraît très important, effectivement. Et puis je m'ennuie moins, quoi, de chanter la vie des autres. Et même en chantant la première personne. Oui, c'est vraiment très amusant pour moi de chanter ce qui n'est pas ma vie aussi, quoi. Ça peut être les deux. Tous ces succès, vous les chanterez donc à Bercy et à travers la France. Vous remplissez des zéniths à chaque fois. Vous le connaissez, votre public? Alors, il est jeune, il est moins jeune aujourd'hui. C'est quoi votre public, Calogero? Je crois qu'il est assez large. Après, je sais que une chanson comme Face à la mer, Le portrait, Je joue de la musique et Un jour aux endroits, c'est beaucoup les enfants qui ont touché qui ont été touchés. Donc, et ça me fait plaisir. Vous êtes ce qu'on appelle... Peut-être qu'un jour, je ferai un album pour les enfants. Bah, pourquoi pas, après tout. Mais c'est vrai que les enfants savent aussi s'approprier parfois une chanson sur un album en se disant, tiens, celle-ci, elle est pour moi. Yann, vous avez découvert quelques chansons de ce nouvel album, alors? Oui, j'ai écouté de A à Z. C'est très... J'aime beaucoup les mélodies. Ça tombe bien, c'est lui qui l'a ici. Non, mais c'est vrai. Je suis plus réservé sur les paroles en général, mais je trouve que les mélodies sont vraiment magnifiques et très renouvelées, en fait. C'est-à-dire que vous avez vraiment... On a l'impression que c'est infini, que vous pourriez écrire 15 albums et qu'aucune mélodie se ressemblerait tout en étant dans le même style. Et ça, c'est toujours agréable pour l'éditeur. Gentil. Vous avez dit dans une interview, quand je suis invité sur un plateau, je chante et je m'en vais. J'imagine que c'est pour ça que vous chanterez plus tard. À la fin de l'interview, il vaut mieux. Alors, non, mais vous avez dit, mon cœur est au centre, comme ma musique d'ailleurs, qui se trouve pile entre rock et variété française. Est-ce que vous croyez que pour être populaire, il faut être au centre de quelque chose? Il faut être centriste. Est-ce que vous êtes un centriste musical? Politiquement. Le Bayrou de la musique. J'aime beaucoup François Bayrou. Donc, non, en fait... D'abord, c'est quoi la recette pour être populaire? Quand j'ai commencé, on a dit ça ne marchera jamais puisqu'il n'est pas assez variété et il n'est pas assez rock. Il a le cul entre deux chaises. Et je pense que c'était exactement ma qualité, je crois. Et effectivement, le côté au tiède, ça me va bien. Mais même, je dirais politiquement, le centre, ça me va très bien. Que voulez-vous répondre à ça? La politique, elle a tenté parfois de vous récupérer, vos chansons ont été récupérées, ça arrive parfois. Pas vraiment, mais de toute façon, ça c'est hors de question. Hors de question quelqu'un puisse emprunter un de vos titres. Vous parliez de vos débuts, on va aller voir vos débuts. Parce que vos débuts, c'était en groupe avec un de vos frères. D'ailleurs, vos frères, vous étiez plusieurs frères? Il y avait un frère, Gioacchino, et un ami d'enfance, Francis. Ça s'appelait les Charts. Moi, je vous ai connu à l'époque des Charts. Et c'est lui-là, avec les longs cheveux Calogero. Et parmi les chansons qui était des succès de l'époque, celle-ci. On se souvient plus de vos premières chansons solo que des chansons de Charts, mais vous vouliez dire sur le clip? Moi, j'ai retrouvé cette basse et je l'ai montré à mes enfants. Il y a la basse noire là, qui est dans le clip. Ça, c'est un clip de 1988 ou 89. Sorti de la projection de Mort à Venise, là? Oui, complètement. C'était un peu inspiré ça avec les de marins. Les trucs de marins. C'est Pulcino qui avait réalisé ça? C'est Pulcino qui avait réalisé. Cette basse, là, je l'ai ressortie il y a 2 jours à mes enfants. J'ai dit, c'est ma première basse. Parce que vous collectionnez les guitares. Oui, mais de gaucher. Donc celui qui vient me cambrioler, il est mal parce que c'est que des guitares de gaucher. C'est votre papa qui vous a appris à faire de la musique, qui vous a offert des instruments de musique? Non, mon papa, il nous a mis à la musique assez tôt, mais parce que voilà, il a une très belle voix, une voix d'italien. Et donc, mes parents ont vite compris que c'était pas à l'école qu'elle allait être. Vous étiez cancre à l'école, hein? On était des élèves difficiles, on va dire. Ouais. Ouais, voilà. Vous avez quitté l'école à quel âge? J'ai quitté l'école à 14 ans. J'étais apprenti électricien, apprenti plombier.
et j'ai monté mon groupe, les Charts, donc à 15 ans. Donc j'ai été, et je suis sous contrat depuis l'âge de 17 ans. C'est vrai que vous êtes allé vous inviter à la table de France Gall un jour, où vous l'avez repéré, j'imagine, dans un restaurant. À Grenoble, oui. À Grenoble, parce que vous êtes de la région grenobloise. Hein. Oui, à la fin d'un dîner, s'il y avait une émission à Grenoble, j'ai tapé au carreau parce qu'il y avait tous les artistes qui venaient dîner là. Après, il y avait Alain Souchon, etc. Et je pense que France Gall devait s'ennuyer à ce dîner. Parce qu'elle nous a, voilà, nous a vus, elle nous a accordé 5 minutes. Alors, vous avez tout fait, vous, pour le coup. Parce qu'à la fin des Charts, vous êtes retourné bosser facteur, babysitter, serveur de bar. Ouais, mais parce que c'est normal, il n'y avait pas, on y avait pas de la télé-réalité. Peut-être que je l'aurais faite, la télé-réalité. Mais c'est, y avait, on faisait des galas, les disques qui marchaient ou ils ne marchaient pas. Et quand on ne gagnait pas notre vie, ben on faisait des boulots à côté. Donc moi, je n'ai jamais voulu... Tu aurais eu en boucherie du Monoprix, c'est vrai ? J'étais au Monoprix de rue de Rennes. J'étais le matin rayon boucherie, l'après-midi rayon pâtisserie. Et j'avais une gueule un peu connue. Donc il y avait certains fans, enfin, en tout cas des gens qui nous suivaient, qui hallucinaient avec... voilà, en ce moment, vous êtes à quel rayon ? En ce moment, au rayon disque, monsieur. Vous voulez que je vous montre ? Et vous trouverez Liberté Chérie. Voilà. Merci pour la promo. Alors, j'ai lu dans un article de Paris Match, mais parfois les journalistes exagèrent, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Jamais. Que votre salut est passé par Pascal Obispo. C'est vrai ou pas ? C'est lui ? Pascal Obispo a cru en moi à un moment donné où plus personne ne croyait en moi, puisque je faisais partie des Charts, qui étaient pour certains considérés comme un groupe à minette à l'époque, quoi. Et qu'il n'y avait pas d'avenir pour le chanteur de ce groupe, quoi. Et Pascal a été en quelque sorte, pour mon premier album, mon directeur artistique. M'a cautionné, il a dit voilà, lui c'est un vrai compositeur. Voilà. Vous avez fait travailler sur les 10 commandements aussi, puis oui. Vous aviez composé, alors que lui aussi est un mélodiste, vous aviez composé pour lui la fameuse chanson Le Millésime, c'est ça ? Le Millésime, le refrain, oui. Très jolie chanson. On va regarder d'ailleurs deux ou trois chansons d'autres artistes pour lesquels vous avez composé. Regardez. Tu es mon millésime, ma plus belle année, pour ce bonheur. Je suis à jamais ta terre, c'est ça, être père. Ça ne peut pas finir. Eh oui, parce que vous avez aussi composé pour Tony. Avec mon frère, oui. Et là, récemment, vous avez fait ce même travail, alors pas seulement composé. Parce avec que Johnny, je l'ai fait avec mon frère Gioacchino. Avec votre frère pour Johnny Hallyday. Et sur le tout dernier album de Julien Clerc, là, vous êtes, on va dire, chef d'orchestre, en quelque sorte, parce que c'est un compositeur, c'est un mélodiste, j'ai envie de dire. Là... Il n'a pas besoin de vous, Julien Clerc. Bah si, il est quand même venu vous chercher. Là, c'est vraiment réaliser un rêve de môme. C'est-à-dire que je l'ai fait une fois parce que vraiment parce que c'est Julien Clerc et que je suis complètement fan et ça a été l'un des artistes qui m'a le plus inspiré en fait. Et à l'époque quand je travaillais avec Philippe Humensky qui co-réalisait avec moi mes albums, on se disait tous les deux oh, ce serait génial de réaliser l'album de Julien Clerc. Tant il nous a dit ici que vous aviez pas dit oui tout de suite. C'est vrai, il nous a dit ça. Il a raison, Yann Moix. Oui, mais il fallait quand même que j'écoute les chansons. Il fallait, voilà, j'en avais très envie. Et en même temps, ça prend du temps de réaliser un album. Vous n'êtes pas décidé tout de suite. Bah, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir un public et que je ne peux pas... si j'étais que réalisateur... Vous voyez comme on a changé de version là, en 10 secondes. Hein. Il a raison. Il a raison. Mais ça m'avait surpris. Je me souviens, j'avais même dit ici... Ah ben, il est gonflé, Calogero, quand même. Non, je vais vous dire la vérité. Il est venu chez moi. Déjà, d'entendre sa voix qui résonnait chez moi avec mon piano, enfin, je me pinçais, quoi. Je me disais, c'est magnifique, les chansons étaient magnifiques. Et donc, j'ai réalisé cet album
Mais je n'ai pas composé les mélodies. C'est bel et bien ses chansons à lui. Bien sûr, puisque c'est comme vous, il a ce point commun. Un mélodiste, quelqu'un qui compose et qui fait appel à d'autres pour les textes. Comment vous faites? C'est une question qu'on lui pose souvent à Julien. Évidemment, il répond à chaque fois parce qu'il est gentil, parce qu'à chaque fois, on oublie. Mais vous, au fond, on le sait peu. Moi, je le sais parce que j'ai étudié votre cas. Mais vous avez des tas de musiques, paraît-il, dans vos tiroirs, des tas de compositions. Et en fait, les auteurs travaillent sur des musiques qui existent déjà. En fait, je travaille. J'ai un directeur artistique qui est un ami intime, qui s'appelle Eric Lopez, et je compose énormément. Et dès que je compose une mélodie, hop, je l'envoie. Donc en fait, il stocke tout. Et c'est votre ordinateur, lui, exact. Alors. Voilà. C'est votre iCloud. Un peu, ouais. Avec beaucoup, de, temps, beaucoup de sensibilité et beaucoup de voilà. Il envoie des. Ça veut dire par exemple sur et cet album, il y a des vieilles musiques. Ça arrive. C'est que des trucs recyclés des charts, en fait. Pas du tout. Si, j'ai reconnu un peu la grille. Pas du tout. Non, mais ça arrive souvent. On me dit, voilà, t'as oublié ce couplet-là. Voilà. C'est assez formidable, quand même, la carrière de... Ça fait combien d'années de carrière, alors, maintenant? J'avais... Enfin, si on compte les charts, j'ai commencé à 16 ans. Donc, j'ai 46 ans. Eh oui. Ah oui, donc c'est quand même en fait vos 30 ans de carrière. Non, je ne pas. Nous, on préfère ne pas compter les charts. Vous avez tort, c'était vachement bien les charts. On va vous remercier d'être venu chez nous ce soir. On était ravis de retracer comme ça votre parcours. Parce que, à moins que Christine Angouet ait encore une question ou deux à poser avant que vous chantiez. Une toute petite question, parce que j'ai vu, en vous écoutant, cette pop-rock à la Coldplay que vous revendiquez vous-même. Et en même temps, il y a... Pop rock, on me l'a collé au dos. Ça, je ne l'ai pas dit. D'accord. Mais j'ai vu que, en tout cas, Coldplay, vous le revendiquiez comme une comparaison possible. Ou alors, je me suis trompée, mais je crois avoir vu ça. Et en même temps, il y a une espèce de façon de chanter quand même un peu variété, comme un bien chanté, un peu comme le bien écrire de Jean d'Ormesson. Et donc, je me demandais, parce que j'ai vu aussi que vous disiez que, justement, vous étiez mauvais élève, etc., et que vous parliez mal. Moi, je crois que... Quand on devient un artiste, c'est sûrement, je pense pour tous les artistes, quel que soit leur choix d'instrument, musical, ou stylo, ou scène, ou autre chose, c'est qu'ils ne savent pas parler. Il y a un moment où ils n'y arrivent pas à parler. Et je me demandais si vous pouviez nous dire quelque chose de ce parler mal, de cette difficulté à parler. Comment ça se manifestait? Ça a été pendant très longtemps. D'ailleurs, là, vous m'en parlez, je vais commencer à mal parler. À mal parler. Ouais. En fait, d'abord, ça devait venir un petit peu du complexe de l'immigré. Comme mes parents sont italiens et qu'ils ont un fort accent italien. Et il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Ils ont appris plein de choses, mais bon, il n'y avait pas beaucoup de livres. Donc, du coup, dans les premières interviews, c'était très compliqué parce que je faisais beaucoup, beaucoup de fautes de français. Et en même temps, parallèlement à tout ça, je suis un passionné d'histoire. Je me suis un peu cultivé tout seul, où j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, en fait, petit à petit. Quels gens vous ont aidé? En dehors de Jean d'Ormesson. Parce qu'il n'y avait pas de professeur, parce que vous n'étiez pas dans l'école. Donc non, j'ai eu un premier producteur qui s'appelait Philippe Gaillard, qui était absolument passionnant et extrêmement cultivé, qui a fait, comme on était très très jeunes, qui a fait comme une espèce de double éducation, qui a pris un peu le relais de mes parents. Et ça, il y a des choses qui m'en restent aujourd'hui. Voilà. Et puis, pour répondre à votre question par rapport à la variété ou pop-rock, etc. Non, c'était pas une question. Ah, d'accord, c'était pas une question. Parce que ça, j'ai digéré depuis longtemps. Mais je le reliais justement à cette difficulté à parler. Et voilà, une volonté de bien chanter. Et vous pensez que je parle mieux maintenant? Là, moi, je ne suis pas juge de ce genre de choses. Maintenant, vous faites des petites erreurs en italien, par contre. Vous chantez bien, en tout cas, et c'est ce qui compte. Et vous allez vous accompagner au piano. Il y a justement la version piano-voix de cette chanson sur cet album, nouvel album collector avec deux CD, cette chanson fondamentale, écrite par Paul Ecole, composée avec votre frère, d'ailleurs. Cette chanson fondamentale que je vous demande donc de nous interpréter maintenant. Calogero, un extrait de son dernier album. Chez vous, en tournée à travers la France, et au mois de juin, à la Corotel Arena à Bercy, les 5 et 6 juin prochains.
chanson de Sochon qui nous traîne, un vieux col roulé qui nous gêne, une rentrée, une odeur de trousse. Dans nos souvenirs, on a tous toutes ces choses qui durent et qui tiennent, un vieux poster de Saint-Étienne, des mots qui nous ont démolis, des je préfère qu'on reste amis. Sur lesquels on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. Bonne odeur de tarte aux pommes, une chanson super en automne, un vieux couloir qui fout la frousse. Dans nos souvenirs, on a tous une amoureuse en collégienne, des prénoms qui soudain reviennent devant des vieilles photos d'élèves. Ce qui nous a élevés nous élève. Sur lesquels on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. Si un jour je me désaccorde, je ferai résonner la corde, la note sur laquelle j'ai poussé. Toutes ces pierres sur lesquelles on se hisse et qui font de nous un édifice. On a tous au fond du mental toutes ces choses fondamentales, toutes ces pierres semées dans le passé qui nous poussent et qui nous font pousser. Cachées là au fond du mental, ce sont les choses fondamentales. On a tous toutes ces choses fondamentales. Calogero, qui était notre invité d'honneur ce soir dans On n'est pas couché. On vous conseille encore son album Liberté chérie. Merci. Merci encore d'avoir enfin accepté notre invitation dans On n'est pas couché. Merci Calogero. Merci beaucoup. Merci. Ça vous a touché la chanson, forcément. Forcément, ça vous a touché. On a tous en nous toujours un vieux poster de Saint-Étienne, Jean-François Larios. Alors vous, après Saint-Étienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler quel club vous avez fréquenté ? Parce que, au fond, vous avez raté, ça vous le racontez aussi dans votre livre, vous avez raté parfois un parcours à l'étranger. Vous avez été contacté par Barcelone, mais vous ne le saviez pas. Et le Real Madrid aussi. Exactement. En 82, donc j'étais à Saint-Étienne en équipe de France. Et suite à mes affaires, mes histoires sentimentales, j'ai été convoqué par le président Rocher qui m'a dit que je devais quitter le club en fin de saison, sur lequel j'ai dit « bon, il n'y a aucun souci », mais après il m'a dit « c'est pas bien ce que tu as fait ». Je me suis permis de lui répondre qu'il devrait plutôt s'occuper de ses affaires que de s'occuper des miennes, parce que moi j'étais footballeur, j'étais payé par la Saint-Étienne pour jouer au football et pas qu'on s'occupe de ma vie privée. Sur ce, comme il avait... Ça, c'est envoyé, hein. Vache. Ses affaires, il en avait, hein, parce que la caisse noire de Saint-Étienne, croyez-moi, c'était un gros scandale à l'époque. Et après, sur ce fait-là, comme il avait sa préférence donc, pour qui lancer, quand est arrivé le mois d'avril, le mois de mai,
Si vous voulez, je n'ai pas été informé parce que je me suis donc séparé de Saint-Étienne en janvier 83, en définitive. Et j'ai eu la chance de rencontrer le Don Brulovni, qui était donc le grand recruteur du Real Madrid, qui était un ancien joueur du Real Madrid, qui m'a dit qu'en avril et mai 82, il avait fait une proposition à Saint-Etienne, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un joueur étranger qui pouvait jouer par club, et que la priorité du Real Madrid, c'était moi. Vous avez failli jouer à Strasbourg, le club de cœur d'Olivier Guest. Je sais que vous aimez beaucoup le football. Un jour, vous écrirez sur le foot une histoire, un roman, une enquête. J'ai écrit un livre sur le football. J'ai écrit un livre qui s'appelle Éloge de l'esquive, sur l'idée du dribble au Brésil. Oh là là, l'éloge de l'esquive. Eh oui, sur l'idée du dribble. Ça, j'ai pas lu ça. C'est que ça raconte quoi ? Mais ça raconte en fait pourquoi les Brésiliens ont eu tellement de dribbleurs talentueux. Et en fait, il y a une véritable histoire du dribble au Brésil, puisqu'en fait, lorsque le foot arrive au Brésil à la fin du 19e siècle, l'esclavage vient d'être aboli. Et au départ, les Blancs et les Noirs ne jouent pas ensemble. Et lorsque les premiers Noirs arrivent sur les terrains et doivent affronter des joueurs Blancs, et bien en fait, ils ont peur d'avoir des contacts avec les joueurs Blancs. Et donc, ils vont inventer tout un système de feintes pour éviter le joueur Blanc. C'est pour ça que les joueurs noirs au Brésil ont été tellement forts au dribble. Vous saviez ça, Jean-François Larios ? Non, je viens de l'apprendre. Vous avez eu de nombreux problèmes de santé, encore tout récemment. Ouais. D'ailleurs, vous racontez vos trois morts. Vous dites trois morts possibles. Ouais. Et une mort toute récente encore, à laquelle vous avez échappé. Pensez que ce sont les conséquences des conditions dans lesquelles on vous a fait jouer à l'époque, de vos excès de boissons, de vos excès... C'est surtout dû... C'est surtout dû à ma dépression, et après que j'étais quand même un fêtard, et puis j'ai fait. Vous étiez un fêtard, un fou. Voilà, j'ai fait l'imbécile entre l'alcool et la drogue, et donc je reconnais aussi que je me suis soigné, parce qu'il fallait à un moment donné arrêter. Et puis après, le corps. Vous êtes allé dans un centre de désintoxication. Ouais, ouais. Et après, le corps, c'est pas une machine. Hein, quand ils se sont rendus compte au mois de décembre 2016 que j'avais fait un infarctus silencieux. Donc après, j'ai eu un pontage au niveau de l'aorte, et maintenant, j'ai à peu près mon pied gauche, je ne le sens plus quand je marche. Tout va bien. Mes amours, mes emmerdes, c'est un chapitre qui commence par cette phrase étonnante. Vous dites, je ne vais pas faire un procès à mes parents sous prétexte qu'ils sont coupables de m'avoir fait plutôt pas mal, ni au magazine spécialisé qui me classait parmi les 20 playboys français quand j'avais 20 ans. C'était leur truc à eux pour faire du pognon. Moi, je m'en foutais. Je n'ai pas inventé ma plastique, mon sourire et mes fossettes, pas plus que je n'en ai usé ni couru les femmes. Alors ça, c'est ce que vous dites au début de ce chapitre, mais... Au fond, on s'aperçoit quand même que vous alliez avec, surtout avec votre copain Johnny Rep, que vous aviez connu à Bastia, puis ensuite qui vous a rejoint à Saint-Étienne. Ouais. Vous étiez les deux playboys du football français, Johnny Rep, qui n'était pas français lui, mais qui vous avait rejoint dans deux clubs français. Ça a dû être quelque chose, surtout vous étiez ensemble dans le même. Enfin, il ne vivait pas avec vous, mais il quittait la maison où il y avait sa femme pour venir faire le con chez vous. Oui, parce qu'il avait les clés de mon appartement et de ma maison à Saint-Étienne. Donc, Laurent, je vous en veux beaucoup de ne pas avoir continué la phrase que vous avez commencé à citer. C'était laquelle ? Vous avez dit, pas plus que je n'ai usé ni couru les femmes. Et il continue par dire, d'ailleurs, combien en ai-je connu de femmes ? Ouf, quelques centaines. C'est ça, le choix. Regardez cette photo. Elle est incroyable. On vous a fait quand même poser avec Johnny Rep, les deux playboys du foot de l'époque. Qu'est-ce que vous foutiez en boxeur, là ? Il y a une guêpe qui se balade sur ce plateau depuis tout à l'heure. Elle doit être envoyée par Ardisson. Il ne doit pas être content que vous soyez là. Je vous dis. C'est... Ah ! Je sais pourquoi. C'est parce que tout à l'heure, on a évoqué Frédéric Dard. C'est pas ma soirée. À moins que vous ayez donné le bourdon. Allons-y, oui. Alors, cette photo, pourquoi vous posez comme ça avec votre pote ? C'était lors d'un match de France-Hollande, pour la qualification pour la Coupe du Monde. Ah oui, on vous a dit, tiens, ce serait marrant que vous vous mettiez en boxeur, alors. Ouais, voilà, donc on n'était pas, très regardant. Et à partir du moment que c'était, je crois, pour France Football ou un truc comme ça, donc c'était quand même le magazine numéro 1, c'est toujours le magazine numéro 1, donc voilà. Alors, vous avez parfois joué de malchance, mais vous avez été aussi chanceux, même au jeu. Quand même, il faut le faire de gagner 12 millions au loto sportif. En 8 fois. En une fois, oui, j'ai bien compris. Non, en 8 fois. Ah, en 8 fois. Oui. Mais quand même. Ben, c'est facile. Hein. Moi-même, en 100 fois, je ne gagne pas 12 millions au loto sportif. Comment vous faites ? Mais il ne dit pas combien il a perdu en 196 fois. Hein. Non, ça, pas au loto sportif.
Au casino, oui, mais pas au sportif. Ah oui, alors, au casino, vous avez perdu des fortunes. Au point de vous faire interdire. Oui. Alors, je savais pas d'ailleurs que quand. Moi, je pensais que quand on se faisait interdire au casino, c'était ad vitam aeternam. Et que. Et non, en fait, ça dure 4 ou 5 ans. Et au bout de 5 ans, on peut y retourner. Et vous, bah, au bout de 5 ans, vous y retourniez. Non, avant, c'était avant. C'était, c'était avant que c'était à vie. Après, maintenant, ils ont changé les règles pour revenir au bout de 5 ans. Ils sont malins. Et donc, vous reveniez. Non, non, j'ai mis un bout de temps avant de revenir. Hein. Je suis revenu quand, oh là là, vraiment bien, je ne vous dis pas de bêtises, 97-98. Vous aviez même installé une roulette chez vous pour calculer et essayer de comprendre comment sortaient les numéros. Ouais, c'est ça, quand j'étais à Lyon. Avec mon, avec... Vous avez gagné 1,7 million, c'est ça ? Oui. Au casino de je ne sais plus où. À Monaco. Oui. Et puis, finalement... Et bien finalement, j'ai voulu faire, comme on marche à Riff, leur mettre le drapeau noir. Et bien c'est moi qui ai pris le drapeau noir. J'ai rendu les 1,7 million et j'ai fait un chèque de 250 000 francs. Et ça a marché, cette histoire de roulette que vous aviez chez vous, pour ben comprendre... Oui, c'est facile, hein. De toute façon, il faut avoir de l'argent. Mais si vous êtes sur un cycle, vous ne pouvez pas avoir les 37 numéros qui sortent sur 37 coups. Vous avez toujours une répétition d'un numéro ou un triplé ou un quadruplé du numéro. Donc vous en avez tiré des probabilités. Oui, mais après je m'avais pris des bouquins aussi sur les études et puis sur le rouge et le noir. Là on n'est pas avec Dostoïevski, je crois. Non, Stendhal. Ah bon, c'est Stendhal, vous voyez. C'est un rapport de jouer au foot et de jouer au casino. Dostoïevski, le joueur, hein, cela dit. Non, non, non. Pardon. Est-ce que c'est un rapport jouer au foot et jouer au casino, est-ce que c'est de toute façon jouer ? Oui, parce qu'il joue aussi au foot dans sa salle à manger, après la roulette dans sa chambre. C'est une addiction, c'est une drogue, le casino. Moi, je jouais aussi au blackjack. Et après, mais c'était une drogue, c'était une évasion. On a appris cette semaine la disparition du papa de Michel Platini, Aldo Platini. Mais un autre papa dont vous parlez, vous, dans votre livre, beaucoup, qui a compté pour vous, ça j'ignorais, c'était le père de Jean-Michel Larqué. Oui. C'est à lui que vous devez votre carrière. Oui, c'est lui qui m'a entraîné la dernière année à la Chia Bédopo. Et quand je finissais mes cours, il m'accueillait de 5h à 7h le soir. Où je m'entraînais, il m'entraînait personnellement. Donc j'ai fait les stages à Saint-Etienne, ça a réussi, et après j'ai pu signer à Saint-Etienne grâce à lui. Encore un mot, oui, Yann Moix. Pour moi, vous incarnez les années 70, mais vous incarnez plusieurs acteurs à la fois, Delon pour la beauté, Depardieu pour les triples pontages et pour la bestialité. Ouais. Je dirais également Belmondo pour l'endurance, le côté viril, et puis Devers pour le côté un peu paumé. Et ça me fait penser à un film avec Patrick Devers qui s'appelait « Coup de tête » de Jean-Jacques Hano, où il jouait le rôle d'un joueur qui avait été injustement accusé de viol et qui était en fait un très très bon joueur qu'ils avaient repris in extremis pour gagner un match. Un côté un peu déglingué, c'était Trinquant d'ailleurs, le club qui était un club imaginaire. Est-ce que ça vous parle, toute cette mythologie d'acteurs des années 70 auquel vous pouvez vous identifier tour à tour? Le côté déglingué, excessif, juste plus possible aujourd'hui. Vous savez, maintenant, c'est très difficile, hein, parce qu'avec les médias, les joueurs, ils sont vraiment, je ne sais pas, ils ne peuvent pas se permettre de faire des écarts. Ouais, dès qu'il y a le moins d'écart. Voilà, comme nous, on pouvait faire à l'époque, hein, ce n'est pas possible. Hein. Même quand ils filment la chicha, ils sont filmés. Oui, non, mais en fait, ça ne sert à rien, la chicha. Mais par exemple, non, c'est pas de la drogue, la chicha. Hein. Ouais. Et moi, il y a quelques joueurs, moi, qui vont fumer la chicha, que je connais, ce n'est pas un souci. Hein. Non, mais quand ils disent des conneries en fumant la chicha sur le sélectionneur, d'accord. Oui, bon, enfin. Mais oublions la chicha, passons au Captagon, où phénéthyline, un stimulant de la famille des amphétamines, on en a parlé tout à l'heure, qui comprend notamment la méthamphétamine et l'ecstasy. Cette drogue entraîne une augmentation du rythme cardiaque, une plus grande résistance à la fatigue, une vigilance accrue et une perte de jugement provoquant un sentiment de toute puissance. L'un des membres de Saint-Étienne m'a tendu cette petite pilule blanche dans le vestiaire avant l'échauffement. Prends des vitamines, c'est pour te motiver. Je venais de fêter mes 20 ans et je m'apprêtais à disputer mon premier match de Coupe d'Europe comme titulaire en plus. Je fais quoi ? J'ai donc avalé le cachet sans trop vraiment comprendre de quoi il s'agissait vraiment. À l'époque, il n'y avait pas de contrôle antidopage. Une fois sur le terrain, j'ai senti une montée en puissance pendant un moment. Ensuite, ça a été une catastrophe pour moi. Le Captagon m'a bouffé au point de vue énergétique. Au bout d'une heure, j'ai ressenti des crampes et j'ai dû céder ma place. Donc les effets sont quand même
compliqué de ce genre. Ah oui, ils sont nocifs. Hein. C'est vraiment très, très dur pour le physique. Hein. Alors aujourd'hui, il y a des contrôles, vraiment? Oui. C'est que Sartre a écrit Critique de la raison dialectique sous Captagon. Vous dire la violence du truc. Hein. Vous ne saviez pas ça? Non. Oh, vous allez apprendre des tas de trucs ici. Et nous aussi, on apprend des tas de trucs sur le foot. Avec J'ai joué avec le feu, c'est chez Solar et c'est signé Jean-François Larios. Le foot, on aime ça, la France insoumise? Non, parce qu'on a bien compris que Johnny Hallyday, c'était pas la tasse de thé, ni de votre compagnon. Ah si, Alexis adore Johnny Hallyday. C'est vrai? Ah oui, il était vraiment triste et bon... Alors, cette histoire de tweet, alors ça a été une erreur. En fait, à 4h20 du matin, il est réveillé, il travaille. Il est insomniaque, il découvre le décès. Il fait un premier tweet pour Johnny et Jean d'Ormesson. Il continue de travailler. Un premier tweet où il dit qu'il est désolé. Oui, qu'il est triste. Il rend hommage aux deux hommes d'Ormesson et Hallyday. Il parle de la nostalgie, voilà, du fait que le temps passe. Bon, il est pris, ça se voit, il est pris. Il est vraiment triste. Et il continue de bosser. Et il bosse sur cette affaire de groupe d'experts qui préconisent de baisser le SMIC. Et ça lui monte à la tête en disant, mais quand même, il ne faut pas que j'oublie l'essentiel. Il avait peur, en fait, qu'on lui reproche d'avoir été touché par le décès de Johnny. Parce que lui, c'est vrai, comme il aime Sardou, il aime Johnny, il aime la chanson populaire. Ah oui, il paraît que vous faites des soirées Sardou, vous, en plus. Des Michelades, ouais. Oui. Des soirées où on n'écoute que des Michel. Et Michel Delpech, Michel Sardou, Michel Fugain. Voilà, c'est ça. Paul Naref. Enfin, Michel Thor, non, que pas. Jackson. Ah, Michel Jackson, d'accord. Et bref, il avait peur qu'on lui reproche dans peut-être un petit grandiraton gauchiste, je ne sais pas, parce que qui peut reprocher Alexis d'avoir de la peine pour Johnny Hallyday? Mais et bref, on peut être de gauche et aimer Sardou et de gauche et aimer Hallyday. Il a eu une sorte de préscience du fait qu'il ne fallait pas que ça efface la réalité sociale, il ne fallait pas que le gouvernement s'en serve pour qu'on efface ce qu'ils étaient en train de faire. Et donc, il a fait ce deuxième tweet, et ensuite, ça c'est l'erreur à ne pas faire, le supprimer. Il n'aurait pas dû le supprimer, en fait. Il aurait dû l'assumer en rappelant qu'il y avait eu un tweet précédent. Voilà. Bon, il faut reconnaître, là-dessus, j'ai même défendu cette histoire-là, parce que c'est vrai, il faut reconnaître que les médias se sont bien amusés à sortir le deuxième tweet sans parler du premier, en disant qu'il avait d'abord rendu hommage à Johnny Hallyday, ouais, avant de dire qu'il fallait penser aussi à ce qui se passait dans l'actualité. Et la semaine d'avant, justement, il avait participé à une émission sur, RMC avec... Maïtena Biraben, où justement ils avaient parlé de cette culture populaire et de Johnny. Et donc dans la journée, finalement, il a fait une petite interview chez Maïtena où elle l'a fait chanter et parler des chansons de Johnny qu'il aimait bien. Bon, voilà. Donc finalement, Jean-Luc Mélenchon, moins. Johnny, on a senti que ça l'emmerdait d'en parler. Alors, ouais, je ne connais pas le rapport intime de Jean-Luc Mélenchon avec Johnny Hallyday, mais clairement, dans la petite vidéo qu'il fait, il s'adresse essentiellement à ses fans, dont il comprend la sincérité de la douleur, et puis après, bon, ben voilà, il passe un petit peu à autre chose. Vous avez parlé de Johnny Hallyday. Tiens, d'ailleurs, on voit les images dans ce DVD, dans La Danse du Diable. Il passe à Marseille, et vous racontez ça. Mais j'en ai pas parlé, je l'ai joué. Oui, je l'ai joué en 1981, donc vraiment en 1981, Johnny était devenu un objet complètement kitsch. C'est comme si j'avais chanté Marcel Hamon ou Alain Barrière. Il n'y avait pas encore eu l'interview de Daniel Rondeau, il n'y avait pas encore eu les albums qui l'ont remis en scène, Michel Berger. Et je me rappelle que quand je jouais Johnny, les gens étaient morts de rire, simplement disaient « Oh là là, Johnny !» Et il a été très important dans ma jeunesse. C'est quelqu'un qui a été très important toute ma vie. Je l'ai toujours dit que c'était un modèle pour moi. Mais c'est vrai que je joue un concert de Johnny Hallyday au Parc Borély. On peut regarder, puis vous nous en parlez après. Bonsoir Marseille. Bonsoir. Alors on va commencer par quelque chose que je crois vous connaissez bien. Et ça commence comme ça. Badabadam, badam, badabadam, badam, badabadam, badam, badabadam, badam. C'est une fille comme toi qui me faut à moi. J'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Oh comme putain, il dit les mots du disque. C'est des coups, madame, fort. 20 000 gosses qui twistent. Une fille comme toi qui me faut à moi. J'ai le cœur qui bondit dès que je te vois. Je te donne du tonnerre, tu as tout pour me plaire. Putain, les gosses sur les tisseaux de bouteilles, à pieds nus, ils twistent. Je te trouve du tonnerre, tu as tout pour me plaire. C'est vrai, vous avez raison, il y a eu des traversées du désert de la part de Johnny.
C'est vrai aussi que ce sont les albums de Michel Berger puis de Jean-Jacques Goldman qui ont réhabilité Johnny aux yeux du grand public. Mais aussi, je parle de Johnny à Marseille et l'histoire de Johnny à Marseille, c'est très... Un jour, j'essaie d'aller vite. Un jour, je reçois un comment ça s'appelle? Pas trop vite, tenez, venez dans le fauteuil puis vous allez nous raconter ça dans le fauteuil. Allez, Philippe Cobert, venez dans le fauteuil. N'allez pas trop vite. Puisque en fait, votre vie, c'est sur scène que vous la racontez, vous interprétez tous les personnages que vous croisez, y compris vous-même. Alors, Johnny, racontez. Alors, je reçois un fax, je cherchais le mot, du Petit Nice, le bel hôtel de Marseille. Très bel avec hôtel. Merci pour les gentillesses que vous dites pour moi, bourré de fautes d'orthographe, Johnny Hallyday. Là, mon cœur m'est tombé dans mes pieds, j'appelle le Petit Nice et je dis, je voudrais parler à Johnny Hallyday. Machin. Et j'entends derrière, Philippe Cobert. Et, allô, c'était Johnny. Et je lui raconte, je lui dis, venez, vous verrez, je ne me moque pas de vous, c'était à l'époque où il y avait toute l'histoire de Canal+, etc. Je vous verrez, je parle de Marseille. Et il m'a raconté son histoire avec Marseille. Il chantait à l'Alcazar à 17 ans, en première partie de Maurice Chevalier, en première partie. Il s'était complètement lié et il m'a dit, il y a une histoire avec Marseille qui est vraiment spéciale. Et en 68, j'avais un copain, Jean-Claude Bourbeau, qui était portier du théâtre du Gymnase, et on voyait Johnny regarder Sylvie Vartan, sa première émission de télé, et tous les fans dans la salle hurlant, ils les attendent une heure, les filles qui s'est jetées par le balcon. Enfin, il y a toute une histoire avec Johnny et Marseille qui pour moi a été très importante, parce que c'est ma première révolte, c'est mon premier sentiment de révolte avant 68, avant tout ça. C'était Johnny contre la famille, etc. Vous êtes d'Aix-en-Provence, vous, précisément. Non, je suis Marseillais. Ah, Marseillais. Je suis Marseillais. Mais alors, pourquoi souvent vous nous parlez d'Aix-en-Provence? Oui, je parle d'Aix-en-Provence parce que j'ai fait mes études à Aix et mon arrière-grand-père avait une maison au Roucas Blanc. Ah oui. C'est pour ça qu'un jour, je vous ai écrit, je vous ai dit, je voudrais que vous lisiez le texte de André Suarez sur le Roucas Blanc, qui est un texte sublime. Génial écrivain. Génial, voilà. Marseillais. Et qui a écrit un livre sur Marseille, Marcio, extraordinaire. Et voilà. Ça, c'est vrai aussi. Vous aimez réhabiliter des gens qui sont tombés dans l'oubli ou qu'on connaît moins bien ou qui mériteraient d'être plus connus. Je ne le fais pas pour ça. Il se trouve... vous savez, un jour, je le fais parce que je tombe en amour. J'ai découvert André Suarez, pas parce qu'il était inconnu, mais j'ai lu un livre sur Shakespeare d'André Suarez. Je disais, incroyable. Je connaissais Yann Cotte, etc. Enfin, des livres assez connus parmi les théâtreux. Et je n'ai jamais entendu parler de Portrait de Prospero, qui est un livre prodigieux sur Shakespeare. Et puis après, j'ai découvert qu'André Suarez était, en effet, était très méconnu, très peu connu, et que c'était un prodigieux écrivain. Mais vous savez... Claudine Galéa, qui était une journaliste de la Marseillaise, qui m'interviewait pour Aragon, m'a dit « Vous devriez lire une écrivaine de Montpellier complètement inconnue, qui s'appelle Christine Angot, parce que ce que vous faites, ça me fait penser à ce qu'elle fait. » Et j'ai découvert les livres de Christine Angot, alors qu'elle n'était pas du tout connue. Vous voyez, donc, c'est pas une question de sur de Suarez, il y a un truc qui peut intéresser Olivier Guez aussi, c'est que Suarez est le premier écrivain français à avoir lu Mein Kampf dans son intégralité en allemand et qui a écrit un livre qui s'appelait Vue sur l'Europe, où il dit « Si un jour ce type arrive au pouvoir... » Il va appliquer le programme et ça va être la destruction Absolument. Des Juifs d'Europe. Et il voulait que tous les écoliers de France, qu'on le fasse lire parenthèse. Mein Kampf. Et j'ai fait une adaptation théâtrale de Mein Kampf que j'ai lue dans La Montagne Noire. Oui, enfin bon, voilà. Je pensais aussi à André Benedetto. Oui, André Benedetto. Alors lui, c'est différent. Ça a été, moi, dans ma vie, il y a eu Johnny. Après, il y a eu Gérard Philippe parce que ma mère m'a offert les photos de Gérard Philippe pour lutter contre Johnny. Ça a marché, machin. Et après Gérard Philippe, j'ai découvert un jour, sur la scène du Théâtre d'Aix, un mec avec un accent marseillais incroyable, qui était beau comme Marlon Brando, et qui, au milieu de la pièce, a dit « On arrête, là, il manque un projet. » Il y avait un gros plan, c'était Benedetto, un fou complet. Et c'est un grand poète, bon, il est mort il y a 10 ans maintenant, c'était un très grand poète, et c'était celui que j'appelle un peu mon premier maître. Et vous l'avez fait revivre sur scène. Et on le suivait, on allait voir toutes ses créations, c'était un mec merveilleux, extrêmement coléreux, etc. Et je l'ai fait, en effet, quelques temps après sa mort, je l'ai fait revivre sur scène. Mais c'est pas parce qu'il est pas connu, c'est parce que c'est un grand poète, un grand acteur, et que j'avais envie de le... Et que mon métier, c'est de faire revivre les morts, voilà. Je voudrais qu'on libère Jean-François Larios. Je sais que vous avez besoin de vous en aller. Et on vous remercie parce que vous sortez vraiment de problèmes de santé. Vous êtes venu ce soir pour nous pour parler de votre livre. Mais on va vous libérer. Je sais que ce sera plus tranquille pour vous et mieux. Okay, on va vous remercier. C'est le joueur que je voulais dire. Oui, faut pas trop m'en vouloir. Non, non. C'est le joueur. J'ai
J'ai joué avec le feu. Allez-y, je vous en prie. Oh. Et on va pouvoir continuer avec vous, pardon, mais vous voyez qu'il fallait libérer Monsieur Larios. C'est fait. On parlait d'André Benedetto. Il y a deux autres hommes qui ont compté aussi, sûrement d'autres encore, mais je voudrais qu'on dise un mot et de Patrice Chéreau et de Jérôme Savary. Je suis donc de la génération qui avait 18 ans en 68, etc. Donc 68-69, c'était une explosion théâtrale. Le théâtre a été un petit peu la forme d'art qui a le plus exprimé 68. Et en effet, donc, j'ai assisté à la naissance, entre guillemets, de Patrice Chéreau, Théâtre du Gymnase à Marseille, avec son Richard II, de Jérôme Savary et du Grand Magic Circus, et du 89, finalement, d'Ariane Mnouchkine. Là et l'autre ne sont plus là aujourd'hui. Et ben voilà, l'un et l'autre. Donc, mais il y avait quand même, il s'est produit quand même quelque chose d'extraordinaire pour un jeune homme qui était amoureux du théâtre et qui rêvait de faire du théâtre. C'était l'arrivée de ce mouvement artistique extraordinaire. Alors en même temps, c'est paradoxal parce que souvent dans les interviews, vous dites les metteurs en scène ont pris trop de place par rapport aux acteurs. C'était un peu leur cas quand même, Savary et Chéreau. Ils étaient plus connus parfois que les acteurs qui jouaient sur scène. Alors peut-être qu'ils les laissaient libres de jouer, mais quand même, vous dites, aujourd'hui, les acteurs sont trop bridés, brimés. Faites souvent référence même à Michel Galabru, qui était un personnage, un monstre de scène, comme vous êtes d'ailleurs un monstre du seul en scène. Et vous dites, aujourd'hui, en fait, les metteurs en scène nous empêchent les jeunes acteurs d'être eux-mêmes et d'en faire parfois des caisses ou d'être des ogres de la scène, d'être des monstres, comme le public aime au fond. C'est aussi pour ça qu'ils aiment Lucchini, par exemple, dans un autre genre, qu'ils aiment Galabru, qu'ils aimaient dans le théâtre du boulevard Jacqueline Maillan, qui en faisait beaucoup. Vous reprochez aux metteurs en scène ça, de brider les acteurs. Ce dont je parle, cette époque, cet âge d'or qui a eu lieu, c'était une sorte de révolution. Et toutes les révolutions, on le sait, connaissent se fige. Et si vous voulez, ça s'est stalinisé, je ne sais pas comment on peut dire. Et c'est vrai que ce qui a été une révolution à l'époque, c'est-à-dire qui est arrivé par les metteurs en scène, pour moi, est devenu une institution. Et tant que à l'origine, ils étaient dans l'opposition, ils étaient dans la révolte, ils étaient dans la... Et aujourd'hui, pour moi, ils sont devenus en effet un petit peu, c'est toujours délicat de faire des généralités comme ça, mais bref, ils sont devenus un petit peu les nouveaux évêques, ils sont devenus un petit peu là. Et en effet, et la deuxième chose, c'est que l'importance de l'acteur dans le cœur du théâtre, c'est pas moi qui en ai pris conscience, c'est Ariane Mnouchkine qui me l'a appris. J'ai fait un spectacle avec elle qui s'appelait L'âge d'or, on a travaillé un an et demi, et elle nous disait, moi, finalement, je suis rien. Ce qui compte, c'est l'acteur qui rentre, il n'a pas de texte, il n'a pas de costume, il n'a pas... mais il doit savoir qui il est, c'est-à-dire Arlequin, Pantalon ou Matamor, et il doit savoir où il va, et après, advienne que pourra, et le théâtre, c'est toi, ou c'est rien du tout, si tu rentres et que tu sors. Donc si vous voulez, c'est aussi Ariane qui m'a fait prendre conscience de ça, que le cœur du théâtre et que la naissance du théâtre, c'est un acteur ou une actrice qui rentre sur le plateau terrorisé parce qu'il va jouer devant Ariane Mnouchkine et qu'il faut la faire rire et que ça ne marche pas tous les coups et que si jamais ça marche, en effet, il va inventer le théâtre. Et c'est en effet, je trouve que c'est une chose que le théâtre contemporain n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, favorisé. Vous avez joué avec Michel Galabru, Jules et Marcel. Lui était Jules Rému, vous étiez Marcel Pagnol. C'était un monstre du théâtre, Galabru. Quel souvenir vous en avez de ces tournées? Vous avez tourné beaucoup avec lui. C'était très important pour moi. On a joué ça pendant 4 ans. Et j'ai tous les... Vraiment, c'est tellement difficile d'en parler en si peu de temps, mais tous les soirs, j'ai pris une leçon de théâtre. C'est-à-dire, à la fois, je jouais et à la fois, je le regardais faire. Je me disais, mais comment il fait? C'est-à-dire, tout était naturel. Il n'y avait jamais rien de forcé. J'étais différent chaque soir. Il s'amusait tout le temps. Il avait son œil d'enfant. Et puis un jour, je suis un peu sorti du texte en me disant, qu'est-ce qu'il va dire? Puis je l'ai vu, hop, il a continué. On improvisait. C'est pour moi, j'ai eu ce privilège extraordinaire de... Juste une petite anecdote. Quand Jean-Pierre Bernard, l'initiateur du projet, m'a dit, j'ai dit, écoute, moi... C'était la correspondance hein, entre Rému et Pagnol. Rému, moi, je veux faire une audition. Je veux faire un truc parce que, quand même, Galabru, c'est trop important pour moi. Je l'admirais trop. Galabru, qui était d'une modestie absolument extraordinaire, a cru que, comme j'étais un acteur intello, etc., je voulais l'auditionner, lui, pour voir s'il était capable d'être... Et on a fait une... Mais il a fait une audition extraordinaire parce qu'il a tout fait pour la...
pour qu'elle soit bonne, son audition. Il y avait quelques... et j'ai assisté à un truc absolument prodigieux, et on en a parlé un jour, il m'a dit, mais, tu sais, j'avais peur que tu penses pas, comme tu arrivais de Sharia Mouchkine et tout. J'ai dit, mais t'es fou, toi. Et bon, voilà, donc après, ça a été Oui, mais bon, peut-être que... Est-ce que Galabru, il n'était pas conscient aussi qu'il avait fait un certain choix qui était aussi peut-être pas le plus exigeant, à la différence d'un acteur du même calibre qui est Michel Bouquet, par exemple. Est-ce qu'il n'y avait ça dans la gêne de Michel de Galabru, qui pense qu'il faut qu'il passe une audition? Bien sûr, il ne cessait de s'auto-dénigrer et de penser qu'il était un rigolo et qu'il n'était pas un grand acteur. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est un grand acteur populaire et que c'est une, j'allais dire, une race particulière. Les grands acteurs populaires, comme Rému, comme, ils font tout. C'est ça qui fait la nature de Galabru. C'est qu'il a tout fait. Et c'est, lui, il se le reprochait. Il disait, je le fais pour l'argent, je le fais. C'était pas vrai. C'était pas, il le faisait parce qu'il aimait ça, parce qu'il avait une gourmandise extraordinaire et il avait une sincérité dans tout ce qu'il faisait. Je veux dire, je crois que c'était le contraire absolu de moi. Moi, oui, j'étais vraiment... les acteurs qui, à un moment donné, ne se confrontent pas à des textes qui sont des grands textes. Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression, à un moment, surtout en vieillissant, qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait rempli le contrat? J'espère que non, parce que moi, je ne me suis pas tellement confronté à des grands textes. Ah bah non, mais vous avez écrit. Donc j'espère vous avez écrit, vous avez écrit, vous avez improvisé. Enfin, l'improvisation, c'est un texte. Si vous voulez, mais je n'ai pas tellement fréquenté avec Shakespeare, Molière, oui, j'ai joué, vous avez fait Lorenzaccio. Mais enfin, bon, pour moi, Galabru et Bouquet sont, dans deux natures et deux carrières complètement différentes, sont comparables. Pour moi, c'est les deux plus grands. Vous vouliez faire Don Juan acteurs. Avec Galabru. Oui. Et Galabru dans le rôle de Sganarelle. Oui. Et lui se trouvait trop vieux. Et oui. C'est vrai qu'a priori, on ne pense pas à Galabru, surtout que c'était. Il n'y a pas longtemps, hein, je crois. Il y a quelques. Ben oui, il y a 4 ans, 5, même pas, il y a 5 ans. Voilà, 5 juste ans. Avant, 2 ans avant qu'il meure. Donc c'est vrai qu'à son âge, jouer Sganarelle, ça paraît surprenant, votre parce idée. Que, oui, mais parce que pour moi, Sganarelle n'a pas d'âge. Sganarelle, c'est le monde. C'est le monde entier. Comme d'ailleurs, Don Juan, je pense, n'a pas d'âge. Il peut être jeune, il peut être vieux, il peut être. Don Juan, c'est moi, c'est vous, c'est madame, c'est. Et Sganarelle, c'est le monde entier. Donc je pensais que. Je lui dis, mais y a pas, c'est pas grave, Michel, si tu n'arrives pas à marcher, on te mettra dans une brouette, on te mettra sur un petit cheval avec des roues, un petit cheval avec des pédales. Mais il n'y croyait pas vraiment. Puis bon, il y avait eu d'autres choses qui ont fait que c'était pas possible. Mais on a fait des lectures, mais il était extraordinaire. Et vous, en Don Juan et Jamel oui. Debbouze dans le rôle de Sganarelle, ce serait possible, ça? J'y ai aussi pensé, parce qu'un jour, Jamel m'a dit, voilà, j'aimerais monter le Tartuffe, j'aimerais jouer le Tartuffe avec vous, ou avec toi, je ne sais plus. Et je lui ai dit, écoute, ça, le Tartuffe, je ne me sens pas, parce que j'ai vu celui d'Ariane, et pour moi, c'était un chef-d'œuvre du théâtre. Je n'oserais jamais toucher à Tartuffe après avoir vu le Tartuffe du Théâtre du Soleil. Par contre, il y a une pièce alors, qui, pour moi, est obsessionnelle depuis que j'ai 18 ans, c'est Don Juan, et j'aimerais beaucoup... Et il a commencé à me faire comme ça. Alors, c'était un Sganarelle, en effet, plus, disons, conventionnel. Mais y a, bon, ça, après, ça n'y a pas eu de suite. Mais en tout cas, le Don Juan et Galabru, ça a été très proche de pouvoir se faire. Et puis, les choses ont fait que... Et puis, surtout... Moi, je suis toujours devant, dans ce travail depuis 35 ans, à me dire, est-ce que je fais l'épisode là qui me manque, ou est-ce que je fais Don Juan, ou est-ce que... Et cet épisode-là, personne d'autre que moi pourra le faire. Oui, racontez votre vie, il voilà. Y a vous qui pouvez le faire. Et voilà, et donc, c'est le et destin, Inch'Allah. Qui... Il me semble que vous aviez expliqué une fois, enfin, il y a quelque chose de très particulier et très intéressant dans ce roman d'un acteur, c'est-à-dire que quand il a 25 ans, Philippe Cobert, oh, c'est bien ça, 25 ans, 4... Ah non, je me trompe. 30 ans. Voilà, à 30 ans, il improvise sur un plateau des heures et des heures de spectacle. Et il crée, il parle, et c'est le texte... Il appelle ça écrire debout. Hein. Voilà, et c'est le texte qui sera retenu, corrigé, etc. Il fait ça une fois en 80, il le fait sur 8 mois, et 3 ans plus tard, il le fait sur 9 mois. Il en ressort des heures et des heures d'enregistrement. Bon, il a 30 ans. Okay. Et toutes les années qui ont suivi, c'est-à-dire combien d'années ans. Les 35 ans qui suivent, il est là en train d'écluser les cassettes qu'il a enregistrées à 30 ans. Alors, c'est merveilleux parce que n'importe quel auteur rêve
d'avoir un paquet comme ça où je dis OK, j'ai plus qu'à me servir et puis je vais faire mon livre ou mes spectacles, mon truc est déjà fait. Et en même temps, il y a un truc complètement tragique d'un acteur qui avance en âge, qui vit des choses nouvelles et qui se retrouve à avoir son petit cheptel de ses 25-30 ans que, inlassablement, il doit servir. Est-ce que... Vous écrivez exactement le conflit tragique dans lequel je suis depuis toutes ces années, où en effet je n'ai cessé, au fond, de culpabiliser, mais il faudrait que je sorte de cette... Et quand on me dit, vous jouez votre vie, je dis non, je joue ma jeunesse. C'est pour ça quand je dis adieu Ferdinand, c'est un adieu à la jeunesse, au personnage qui incarne ma jeunesse. Et c'est aussi, et je le dis très honnêtement, pourquoi on me dit, pourquoi vous dites adieu à Ferdinand? Parce que mes tiroirs sont vides. Il y a aussi le fait que le théâtre, ça s'improvise, en tout cas tel que je le fais, ça s'improvise, ça s'écrit, ça se met en scène, ça se mémorise, ça se produit, ça se joue. Tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps. Les spectacles ne sont pas écrits le jour de la première. Ils commencent en ce moment, le spectacle que vous avez vu l'autre jour, commence à s'écrire. Il sera vraiment écrit dans un an, quand je l'aurai joué au moins 30 ou 40 fois. Le roman d'un acteur, j'ai travaillé 13 ans. Les spectacles, je les avais créés 13 ans avant. L'art, je pense que l'art que je pratique, c'est l'art de l'acteur. L'art de l'acteur, il faut du temps. Il faut, tout ça, je l'ai découvert. Je n'ai pas théorisé ça avant. À l'inverse du cinéma, d'ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes moins présent au cinéma, parce qu'on vous réclame moins ou parce que vous, vous refusez beaucoup de choses? On m'a pas mal réclamé à une époque, puis j'ai beaucoup refusé, en effet, par rapport à ce travail-là. Après, non... La gloire de mon père ou le château de ma mère sont des bons souvenirs, les films d'Yves Robert. C'est merveilleux, ouais. C'est merveilleux. Mais d'ailleurs, Yves Robert est arrivé, il me l'a toujours raconté, il est arrivé à pas de loup dans ma loge, parce que j'avais déjà refusé plusieurs films qu'il produisait. Et il avait ce scénario. Moi, j'étais très méfiant. Parce que j'ai une passion pour Pagnol, je me dis oh là là, machin, Yves Robert. Et quand j'ai lu le scénario, j'étais très méfiant et très prétentieux d'ailleurs, parce que j'ai lu le scénario, j'ai éclaté en sanglots, j'ai retrouvé le Pagnol de mon enfance, j'ai retrouvé, c'était mon père, je l'ai tout de suite appelé Yves, j'ai dit c'est merveilleux votre scénario, mais bien sûr, là aussi, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Et faire une carrière d'acteur de cinéma, je pense que c'est extrêmement difficile. Il faut y consacrer sa vie. C'est pas vrai qu'on peut faire un peu ci, un peu ça. Non. Et ben moi, pour faire ce que j'ai fait là, j'ai été obligé d'y consacrer ma vie et je n'en ai pas de regrets. Enfin, si, j'ai tous les regrets. Je regrette plus de ne pas avoir pu jouer Hamlet, de ne pas avoir pu jouer Roméo, de ne pas avoir pu jouer les rôles que j'aurais pu jouer. Mais voilà, je dis, il y a aussi plein de filles que je regrette de ne pas avoir dragué. On y revient toujours. Il a bien fallu choisir, voilà. Yann Moix. Bon, j'ai déjà dit l'admiration que j'ai pour vous et à quel niveau je vous place. C'est d'ailleurs le niveau le plus haut. Moi, j'adore l'idée que vous soyez enfermé dans un pan du temps et que vous exploriez ce temps à l'infini. Car, d'une certaine manière, le passé n'est pas quelque chose de clos. Il y a toujours dans le passé des réservoirs de choses encore non dévoilées. Et c'est un trésor. Faulkner disait « le passé ne passe pas, le passé n'est même pas du passé ». C'est-à-dire qu'on croit que le passé n'est plus sous prétexte que chronologiquement il est derrière. Mais en fait, il y a des réservoirs absolument infini d'émotions qui peuvent rejaillir quand on va les convoquer par la littérature ou par le théâtre. Et exactement comme Marcel Proust qui a écrit le tome 1 de La recherche du temps perdu, puis tout de suite après le tome 2, Proust, plutôt que de continuer, a, entre ces deux tomes, écrit 5 tomes supplémentaires parce qu'il y avait plein de choses qu'il avait à rattraper. Et chez vous, il y a deux choses qui me semblent proustiennes. C'est la dilatation des durées. C'est d'un de vos spectacles que je me suis inspiré pour écrire un énorme livre qui s'appelle Naissance, parce que vous avez eu le culot sur scène de faire en sorte que votre mère accouche pendant 4 heures. Donc il y a la dilatation des durées chez vous qui est extraordinaire. Et autre chose, la simultanéité des événements. Dans la chambre d'enfant de Ferdinand, il y a tout le XXe siècle. Dans sa chambre d'enfant, il y a sa mère qui lui hurle dessus. Il y a la concierge de l'immeuble. Il y a De Gaulle et Ferdinand qui engueule Ferdinand. Il y a Malraux. Il y a Johnny, il y a les cousins, il y a tout le monde. Et si vous voulez, il arrive à mettre au monde un monde englouti qui est celui de sa jeunesse, mais qui est universel parce que la jeunesse, c'est la jeunesse de tout le monde. Et peu importe que ce soit inscrit dans une époque que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connue, puisque plus quelque chose est incarné dans un souvenir, plus ça parle à tous ceux qui ont des souvenirs différents, d'une certaine manière. Et ce que je vois, moi, en vous, c'est quelqu'un qui parle, qui met au monde sa propre littérature par quelque chose qui remonte à l'essence du spectacle ou au temps d'Eschyle, on n'écrivait pas pour jouer, on jouait d'abord et le texte succédait à la pièce.
et vous avez renoué avec les ressources non seulement du théâtre et de la littérature, mais de la parole, ce qui fait de vous non seulement un passeur, mais un créateur, qu'on appelle globalement un génie. La pièce que vous évoquez, La danse du diable, on peut la trouver en DVD. C'est la pièce originale, le premier spectacle autobiographique de Philippe Cobert. Puis après, il y a eu le roman d'un acteur, 11 pièces, L'homme qui danse, ouais. 8 pièces. C'est vrai que vous avez creusé ce sillon de votre vie que vous racontez à travers ces années-là, les années de vos débuts. Un spectacle improvisé, mais plus tant que ça, au fil des représentations, évidemment. La danse du diable existe en DVD, mais si vous voulez le voir en ce moment sur scène, c'est à Paris, au théâtre Athénée Louis Jouvet, avec un spectacle un soir et puis deux autres l'autre soir en alternance. On peut y aller donc deux soirs de suite. On vous conseille d'aller applaudir donc Monsieur Philippe Cobert à l'Athénée. Merci à vous de rejoindre votre classe. Merci. Olivier Guez publie La disparition de Joseph Mengele. On a dit tous les compliments qu'on pouvait, je crois, en début d'émission. Donc, que dire de plus, si ce n'est qu'effectivement, rappeler qu'on ne décroche pas de votre livre, qui se termine par la noyade, parce qu'en fait, il est mort de façon, évidemment, à cause de sa santé qui était devenue très, très, très délicate, très difficile, mais de vieillesse aussi. Il est mort, il se noie, il respire encore pendant qu'on essaie de le ramener sur la plage, mais on sort son cadavre de la mer. L'oncle Pedro est mort, s'exclament les enfants les personnes chez qui il vit à ce moment-là. Sans affronter, dites-vous, il est mort sans avoir affronté la justice des hommes ni ses victimes pour ses crimes innommables. Et au fond, il y a une autre justice, hein, c'est aussi ça peut-être le thème du livre, ce qui n'est pas celle des tribunaux, c'est la justice de la vie, parce que sa vie, même si dans un premier temps elle est plutôt agréable en Argentine, quand il se remarie, quand ils croient encore d'ailleurs que l'Allemagne peut redevenir ce qu'elle a été, parce qu'au fond, ils n'ont pas perdu l'idée que l'Allemagne peut redevenir l'Allemagne d'Hitler. Ils pensent pouvoir revenir un jour en Allemagne et refaire avec ses amis qui sont en Argentine, refaire l'Allemagne dont ils rêvaient. Bon, ça, très vite, ça, ils comprennent très vite que ce sera impossible. Mais dans la dernière partie du livre, là, c'est la déchéance. La déchéance en termes de santé, la déchéance en termes d'isolement, quand il est recueilli par ses fermiers. D'ailleurs, ça, une question que je me pose. Toutes ces scènes où on le voit avec ce couple qui l'héberge sont des scènes que vous inventez, vous, que vous connaissez parce qu'il a été écrit des livres très précis. Quand il s'engueule, par exemple, le couple avec lui, quand ça devient très violent avec Mengele, le couple qui l'héberge et lui, ça a vraiment existé. Oui, moi j'ai inventé très peu de choses. À partir du moment où il y avait le nom de Joseph Mengele dans le titre du livre, je devais raconter l'histoire de Mengele. Sinon, j'aurais créé un personnage de fiction. Et Mengele, en fait, a tenu un journal entre son arrivée au Brésil et sa mort, donc pendant presque 20 ans. Et ce journal a disparu aujourd'hui. C'est un journal qui a été vendu par un vendeur anonyme à un acheteur anonyme il y a 6 ans aux États-Unis pour presque 250 000 dollars. Et donc aujourd'hui, plus personne ne sait où est le journal. Par contre, lorsqu'on a découvert la dépouille de Mengele au milieu des années 80, il y a eu plusieurs livres, il y a eu plusieurs biographies. Et notamment, il y a 2-3 livres qui sont vraiment fondamentaux où il y a de très longues citations de ce journal. Et moi, à partir de ces longues citations, j'ai mis en scène les informations que je retrouvais à la fois dans le journal et par rapport à d'autres biographies ou même des travaux universitaires. Y compris les engueulades avec le couple qui l'héberge. Absolument. Imaginez, vous passez 14 ans avec Mengele à la maison. C'est fou. Alors effectivement, lorsque Mengele arrive chez cette famille hongroise qui s'appelle la famille Stammer, au début, ils ne savent pas que c'est Mengele. D'abord, ils n'ont aucune idée de qui est Mengele. Et donc, on leur présente un agronome suisse qui s'appelle Peter Orbichler. Mais assez rapidement, au bout d'un an, un an et demi, il découvre simplement en lisant le journal, il y a une photo de Joseph Mengele. Et on dit, voilà, Mengele a disparu, on ne sait pas où il est. Il regarde la photo de l'homme en une du journal et il regarde l'homme qu'ils ont à la maison. Et il se rend compte qu'en fait, c'est le même. Alors, une famille normale, quelqu'un de normal, soit s'en serait débarrassé, soit l'aurait livré à la police. Mais les Stammer comprennent en fait qu'ils ont décroché un extraordinaire filon. Et donc ces gens vont s'enrichir, ne serait-ce que. Absolument, puisqu'ils comprennent que Mengele est le fils d'une très grande famille, d'une très grande dynastie industrielle, et donc ces gens vont s'enrichir au fil du temps. Et il faut comprendre que lorsque Mengele arrive chez les Stammer au début des années 60, il vit au fin fond de la Havane, dans une petite ferme qui n'a pas l'électricité, vraiment dans des conditions moyenâgeuses. Et 14 ans plus tard, en 75, lorsque Mengele s'en va, ils le mettent dehors une bonne fois pour toutes,
après que Mengele a été quand même l'amant de Madame Stammer pendant un certain temps. Elle s'en sert comme esclave sexuelle quasiment. Juste, je finis. Et sans qu'il soit jamais effrayé par Auschwitz, ce coup. Non, non, absolument pas, absolument pas. Mais 14 ans plus tard, ils vivent dans une immense villa dans l'un des plus beaux quartiers de Sao Paulo avec une limousine et chauffeur. Donc ils ont bien fait d'héberger Mengele, eux. Je ne sais pas s'ils ont bien fait d'héberger Mengele. Toujours est-il qu'ils en ont, ils en ont profité. Si on lit le livre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent, il y a une justice et les choses se paient. Donc, ils n'ont sûrement pas bien fait. Cette trajectoire qui est absolument pathétique et qui va totalement à l'encontre de tout ce qu'on a pu nous raconter sur Mengele pendant des décennies, peut-être que je me suis accroché à cette histoire-là. Peut-être quelque part, c'est même pas peut-être, en fait, je suis persuadé d'avoir ressenti une forme de joie perverse à raconter la déchéance de cet homme terrible. Même s'il n'a pas été jugé, même s'il n'a pas été arrêté, comme on le sait tous maintenant. Un mot encore chacun, pour conclure sur le livre d'Olivier Guest. Il y a une chose, un épisode qui m'a profondément marqué, c'est que Eichmann détestait Mengele. Eichmann considérait qu'il était, lui, véritablement l'élite du régime hitlérien, et que Mengele était un petit faiseur. Un petit docteur comme il y en avait d'autres, un, et beaucoup d'autres. Un moustique. Oui. Un moustique. Et il y a quand même un épisode qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où Eichmann est arrêté, on lui demande l'adresse de Mengele, et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de fort qui les lie, c'est qu'il... Et moi, je pensais vraiment que la tentation de le livrer était infinie. Il résiste. Et ça, c'est un passage très fort. Le Reich persiste, le quatrième Reich fantôme, le quatrième Reich rêvé, où il pensait que le troisième Reich n'était quelque chose qu'une manière d'annoncer des Reichs futurs. Mais là, il y a quelque chose qui dit très fortement la réalité de ces hommes, qui vont au-delà de leur mépris, de leur détestation personnelle, au nom d'une force supérieure qui est quand même le Reich. Et cet épisode m'a particulièrement intéressé. Oui. Et est-ce que ça s'est avéré, cet épisode, entre Eichmann et Mengele? C'est comme il n'a rien inventé, vous dites. Non, mais je voulais savoir... C'est comme tout le reste. Moi, il y a un livre... en fait, la relation Eichmann-Mengele à Buenos Aires est peut-être le point de départ de ce livre. Parce que je la trouve tellement fascinante. Parce que ces deux hommes, au départ, viennent de milieux tout à fait différents. Eichmann est tout en bas, Mengele est tout en haut. À l'époque du nazisme, leurs courbes vont se croiser. Eichmann arrive tout en haut et Mengele fait une carrière tout à fait médiocre. Il n'est que capitaine et il n'est qu'un médecin parmi les centaines de médecins dans les camps de concentration. En Argentine, les courbes se réinversent à nouveau. Mengele est de nouveau tout en haut et Eichmann est vraiment ce qu'on appelle un has-been. C'est-à-dire qu'il a côtoyé l'Olympe nazi. Mais lorsqu'il arrive en Argentine, il n'est plus rien. Et tout ce qu'il va entreprendre va capoter au fur et à mesure. Et les deux hommes se détestent parce qu'il y a un mépris social. C'est vraiment un combat de classe, en fait. Et donc, moi, je n'invente rien. Il y a un livre qui a été écrit par une historienne allemande qui s'appelle Bettina Stangnet. Et ça s'appelle Eichmann avant Jérusalem. Et donc, elle a fait un travail d'historienne absolument remarquable. Et c'est en lisant ce livre pour préparer le scénario d'un film allemand qui est sorti il y a 2 ans, que l'idée m'est venue justement de raconter ce qu'étaient vraiment les nazis en Amérique du Sud. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu des nazis en Amérique du Sud, mais on a une vision qui est plus proche d'OSS 117 que de la vérité historique. Christine Angot. Quand j'ai vu que vous aviez publié ce livre, La disparition de Josef Mengele, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas le lire, parce qu'à chaque fois que j'entends parler de Mengele, il y a quelque chose de... C'est vraiment le nazi. Tout de suite, on a une réaction physique de dégoût. Ça révulse parce qu'on a entendu des descriptions de ses expériences sur les vivants, les cadavres, etc. Donc, quelque chose de glauque. Voilà. Donc, je m'attendais à souffrir, à être dans une forme de dégoût. Je n'avais pas envie d'être là-dedans, dans un truc glauque. Je ne voulais pas de ça. En fait, ce livre m'a fait du bien, et je ne m'attendais vraiment pas à ça. M'a fait du bien pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on n'y a pas peur de la vérité, et cette vérité n'est pas ambiguë, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de naïveté. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on respire? Parce que quand même, c'est rare, hein, bon, qu'il n'y ait pas de naïveté. Très rare. Et puis, surtout... il y a la question de la justice, c'est-à-dire que l'idée que les choses se paient, que la justice, ça existe, même si ce n'est pas la justice judiciaire. Et donc, c'est un livre qui fait vraiment du bien. Je ne m'attendais pas non plus à ça sur un livre, à propos d'un livre sur Mengele, mais c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est, quelque part, ça m'a probablement permis de tenir, parce que... De vous réjouir de sa fin, en fait. Oui, et puis parce que...
mon livre commence vraiment le 22 juin 1949, lorsqu'il arrive à Buenos Aires. Mais évidemment, j'ai dû lire énormément de choses sur la médecine dans les camps, sur Joseph Mengele au camp, sur les médecins dans les camps de concentration. On ne lit pas ces extraits-là, mais il y a quelques petits extraits quand même. Oui, et moi, je n'ai pas écrit là-dessus. C'est-à-dire que le seul extrait qui pour moi est un exemple métaphorique d'un père et d'un fils, boiteux et bossu, deux juifs du ghetto de Lodz, pour moi, c'est à la fois la métaphore de qui fut Mengele, de ce qu'a été Auschwitz et de la folie suicidaire qui s'empare de l'Europe. Parce que chez Mengele, il y a quelque chose d'absolument vertigineux. Je l'ai dit, Mengele vient d'un milieu aisé. Mais Mengele a fait des études. Il a un double doctorat en anthropologie et en médecine. Il est féru de musique classique et de littérature classique. Il a lu les Lumières allemandes. Et cet homme, pourtant, sa première femme, a fait des études d'histoire de l'art à Florence. C'est-à-dire qu'il est la quintessence du bourgeois européen de la première moitié du XXe siècle. Pourtant, cet homme, quelques années plus tard, va conduire 400 000 personnes à la chambre à gaz et faire des expériences sur les enfants. Et pour moi, Mengele est véritablement l'exemple, la métaphore de cette espèce de suicide européen de la première moitié du XXe siècle et quelque part du grand mystère de l'Europe dans cette première partie. Une autre dimension, Laurent, c'est que la mathématisation du monde fait qu'au problème juif, le XXe siècle a trouvé une solution, au sens étymologique du terme, comme un problème mathématique, il y a une solution mathématique. Et c'est par la science que les nazis ont cru qu'ils allaient régler le problème juif par l'extermination et par l'expérimentation. Oui, oui. Moi, j'ai lu le livre et j'étais un peu comme Christine Angot, c'est-à-dire je ne l'avais pas lu avant et on me l'a offert. Et je trouve que c'est un livre aussi extraordinaire sur la culpabilité. C'est-à-dire comment il fait pour ne pas se sentir coupable. Jamais. Comment jusqu'à la fin, jamais. Et on voit petit à petit que son entreprise se dégrade c'est par la peur, par exemple. On sent que la peur est une forme de la culpabilité qui petit à petit le ronge. Mais comment il fait pour une raison simple, c'est que le régime nazi... La force de la négation, alors que quand même, ça monte la culpabilité. Le régime nazi a érigé l'extraordinaire, l'impensable et l'impossible en banalité, en quelque chose qui était de l'ordre du... De la normalité totale. Oui, mais et donc l'extraordinaire a été institutionnalisé sous forme d'ordinaire, et donc par conséquent, ces hommes avaient tout prévu, sauf une chose, redevenir des hommes normaux. Mais je pense non, et puis, qu'on a... Olivier, vous parliez de la perversion et donc de la négation. C'est un homme pervers qui nie, qui est dans la négation. Oui, mais le temps coule, le temps avance, le temps avance. Il continue à se débrouiller alors que la réalité... Parce que cette question, on me la pose régulièrement, mais est-ce qu'il n'a jamais eu le moindre remords, le moindre regret? Je pense qu'on a oublié ce qu'était un médecin nazi. Un médecin nazi était là pour soigner la santé du peuple, pour soigner le peuple, la communauté du peuple, mais pas l'individu, en fait. Et Mengele est l'incarnation de ça. Et jusqu'à son dernier jour... Il va se tenir en fait à cette idéologie, effectivement, qui a été érigée en système. Et quelque part, il est obligé, je pense, de se tenir à cette folie qu'a été le nazisme, cette folie meurtrière, parce que sinon, simplement, il s'écroule. Il s'écroule. Et jusqu'à son dernier souffle, il est persuadé d'avoir été un formidable soldat de la biopolitique nazie. Aucun aveu. Aucun regret face à son fils, et son fils l'interroge, essaie effectivement d'obtenir aveu ou regret, mais rien de tout ça, il n'obtiendra rien de tout ça. Est-ce que vous avez pensé quelquefois, parce qu'au détour de certaines pages, ça vient, même là, dans ce que vous disiez à l'instant, est-ce que vous avez pensé quelquefois à Daesh? C'est intéressant cette question, parce que c'est un livre qui a été écrit, qui a été préparé 2014-2015 et qui a été écrit en 2016. Je pense qu'un livre comme ça... s'il avait été écrit il y a 20 ans, aurait tourné autour de cette idée de la mémoire, du devoir de mémoire, ne pas oublier qui a été Mengele. Je pense que lorsque je l'ai écrit, essentiellement à l'été et à l'automne 2016, j'avais en tête justement la question du mal et comment on peut sombrer dans le mal et comment un individu extrêmement médiocre comme Mengele, à un moment, fait ce choix faustien du mal. Oui, bien sûr que j'ai pensé... que j'ai pensé à ce qui s'est passé en 2015 en France, ce qui s'est passé en 2015, en 2016, en Europe, ce qui se passe au Moyen-Orient, à Palmyre, que j'ai eu la chance de visiter il y a presque 20 ans, qui a été détruite par Daesh. Oui, bien sûr, bien évidemment. J'ai pensé à l'idée du mal et surtout comment finalement des individus extrêmement médiocres peuvent basculer facilement dans le mal. Vous l'aurez compris, on vous conseille le prix Renaudot de cette année, La disparition de Joseph Mengele, signé Olivier Guez. C'est en librairie, c'est un gros succès du moment. Quelques minutes encore avec vous, Raquel Garrido.
un pour savoir si quand même vous envisagez, et même si vous n'en avez jamais vraiment fait, d'en faire un jour vraiment de la politique. Qu'est-ce que vous envisagez un jour? Après tout, vous auriez pu être candidate aux législatives. Alexis Corbière, lui, a été candidat, il a été élu. Vous auriez sûrement été élu aussi si vous aviez été placé à un bon endroit, parce que c'est ça aussi la politique. Il faut être désigné dans une bonne zone géographique où on peut être élu, mais pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Et est-ce que vous l'envisagez encore? À un moment donné, il paraît que vous pensiez aux européennes. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je n'ai pas été candidate aux législatives parce que, je vous le disais tout à l'heure, j'ai un regard très critique sur la Ve République. Je pense que c'est une monarchie présidentielle. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de très frustrant à être dans l'opposition dans la monarchie présidentielle. Je pense que j'admire beaucoup les 17 insoumis qui y sont et puis le reste des députés qui font l'opposition. Mais dans le fond, ils n'ont pas la maîtrise de l'ordre du jour. Quoi qu'il arrive, leurs amendements ne passent pas parce qu'il y a un rouleau compresseur de la majorité godillotte. Et franchement, ça me faisait pas beaucoup envie. Alors que être un jour membre de l'Assemblée constituante, d'une Assemblée constituante... Ah. Donc vous allez attendre que Jean-Luc Mélenchon soit élu? Moi, c'est ça qui me faisait lever le matin pour aller militer. Et dans notre programme insoumis, on ne pouvait pas faire les deux parce qu'on avait une règle qui dictait que quelqu'un qui était membre des assemblées sous la 5e ne pouvait pas concourir à la rédaction de la nouvelle constitution et les constituants ne pouvaient pas eux-mêmes ensuite être candidats dans le nouveau régime de peur de ce qui fasse les règles à leur intérêt. Donc moi, je m'étais dit, non, moi, pas l'Assemblée nationale, j'irai à la constituante. Et c'est vrai que dans le calendrier électoral, là, il y avait des élections européennes en 2019 et j'étais déjà candidate aux européennes les deux fois d'avant, en 2009 et en 2014. J'étais numéro 2 derrière un homme et je m'étais dit, bon, peut-être que, comme on dit au Québec, ça va faire, ça va faire. À un moment donné, peut-être que je ne vais pas tout le temps être derrière un homme pour le faire élire, quoi. Donc, je m'étais dit, allez, je vais aller aux européennes en tête de liste. Et puis, finalement, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas, vu que je pensais pouvoir tout faire à la fois. Parce que pour moi, toutes ces personnes sont en moi, ça n'est qu'une personne. Plutôt que de faire la révolution, vous faites de la télé, quoi. Est-ce que je faisais vraiment la révolution quand je ne faisais pas de la télé? Vous voyez, tout ça est très relatif. De toute façon, c'est plus efficace d'être célèbre que de faire de la politique. Regardez, Johnny Hallyday a réussi à réunir sur les Champs-Élysées ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à faire. En fait, c'est ça, on l'a eu le million dans les Champs-Élysées. Mais oui, Johnny a fait ce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi à faire. Eh ouais. Mais écoutez, moi maintenant, ma part de travail dans ce grand, on va dire la politique avec le grand P, c'est-à-dire la conversation citoyenne, cette idée de quoi parle-t-on, nous les citoyens, qu'est-ce qui nous intéresse? Voilà, ma part, c'est d'animer un petit peu cette conversation, pas en tant que représentante d'un mouvement, pas en tant que militante, mais simplement en tant que citoyenne qui a eu la chance de pouvoir militer très longtemps et donc qui a un certain nombre de références idéologiques, éthique, des opinions, etc. Mais la France insoumise, c'est du passé pour vous? J'ai dû choisir très concrètement, vu que mon temps de parole était comptabilisé. Et si je maintenais ce système de comptabilisation de mon temps de parole, je ne pouvais plus faire une chronique hebdomadaire. Donc il a fallu choisir et j'ai choisi. Alors j'ai une protection, j'ai une situation qui est confortable, vu que je reste avocate. Quand j'étais militante, je n'ai jamais gagné ma vie en militant. J'ai toujours gardé mon gagne-pain à côté. Ça me donnait aussi un certain rapport à la politique. Et souvent, je voyais quelqu'un, dans ma vie, j'en ai vu des permanents politiques qui disaient le contraire de ce qu'ils pensaient, par exemple, ou qui faisaient des stratégies juste pour être élus. J'ai vu l'émergence d'une certaine médiocratie en politique parce que manger, c'était dire telle ou telle chose. Oui. Le fait de ne pas l'intérêt être personnel de la primait sur voilà. Pour moi, c'était l'intérêt central collectif. De ne pas être salarié de la politique. J'ai maintenu ça toute ma vie en 25 ans de militantisme. Et on préférait Mélenchon ou Ardichon. Attendez, je vais faire pareil. J'essaierai de faire pareil vis-à-vis de la télé. Je pense que c'est important. Pour moi, c'est important c'est de rester avocate. C'est quand même pas avocate. Très clair tout ça. On sent bien que vous êtes gêné aux entournures. Vous avez du mal à comprendre. Vous êtes très sympathique. Oui, c'est vrai. Non, mais j'avoue, beaucoup de mal à comprendre. Mais vous êtes très sympathique. Mais tout ça, on sent que vous êtes un peu gêné aux entournures quand même. Ah bon, pourquoi? Oui. On sent bien que l'appel de la télévision a été plus fort que vous, mais que quelque part, il y a une partie de votre cerveau qui méprise un petit peu ce choix.
Je le sens. Non, parle sans toi. Je pourrais vous l'inverser. Non. C'est-à-dire, c'est vous qui passez plus de temps à la télé que moi. Vous êtes à la télé, vous. Ah oui, mais sauf que moi. Pourquoi est-ce que ce serait un choix méprisable ? J'ai l'impression de l'assumer beaucoup plus que vous, en fait. C'est-à-dire que je passe pas 4 heures à expliquer pourquoi finalement j'ai décidé de le faire. Mais c'est vous qui me posez la question, donc c'est vous qui sous-entendez que c'est méprisable. Je pourrais pas. Non, une partie. Vous rétorquez la question. Je trouve que votre argumentation est tellement longue, tellement complexe pour dire oui, je fais de la télévision, j'assume, que ça en devient douteux. C'est tout ce que je veux dire. Alors là, vous êtes fort. Vous êtes fort. Très fort. Si vous ne pensiez pas que c'était méprisable, vous ne poseriez pas j'ai la pas question. Dit méprisable. J'ai l'impression que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec vous-même. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit méprisable. J'ai toujours pensé, par exemple, sur cette émission ou d'autres, qu'on pouvait avoir des idées de haut niveau dans un contexte divertissant. Voilà. J'ai toujours pensé ça. Je n'ai jamais dit, par exemple, des hommes politiques qui ne devaient pas aller à ce type d'émission. Et moi, je pense que... On peut faire du qualitatif pour grand public. Oui, mais c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit. Un Français sur deux ne vote ici, plus aux élections. Ici, oui, mais dans l'émission dont on parle, je ne vois pas le rapport. Moi, dans mon émission, il y a des gens qui ne regardent pas cette émission. Ce n'est pas le même horaire, ce n'est pas le même contenu, ce n'est pas le même format, ce n'est pas le même rythme. Attendez, chez nous, il y a de l'humour, il y a de la grâce. On va parler quand même sur les trucs sur les émissions. Est-ce que je peux vous poser une question ? Oui, bon. Les questions. Et on terminera par ça. Il y a eu, là, dans les derniers jours, une pétition. Enfin, vous êtes au courant, forcément, de ce tweet avec une image antisémite choisie par Filoche, Gérard Filoche, c'est ça ? Oui. Et, alors, je ne vais pas parler de ça, parce que ça, c'est réglé, c'est déjà archivé, on a qui déjà parlé. Qui était au Parti Socialiste. Hein. Voilà, ça, on a déjà parlé, bon, très bien. Et, dernièrement, il y a une pétition qui circule, qui s'appelle... pour sauver l'honneur de Gérard Filoche, et qui a été signé notamment par Bedos, Guy Bedos, Chamoiseau et Annie Ernaux. Vous avez un avis ? Moi, j'en ai un. Hein. Et vous, oui, vous en j'ai avez compris. Un j'ai compris que vous posiez la question. Je pense que vous n'auriez pas signé la pétition si non, vous l'avez proposée. Je veux dire, disons qu'il y a en fait les signataires, là, Bedos, Chamoiseau, Ernaux, il y en a d'autres. Mais enfin, voilà, qu'est-ce qu'on... Voilà, quel est votre avis sur... Et puis surtout le titre, pour sauver l'honneur de Filoche. Ouais. Vous êtes à côté d'Olivier Guez. Oh oui, bon, ça ne change rien. Non, écoutez, je peux comprendre que ces personnes qui visiblement connaissent Gérard Filoche, l'ont côtoyé de plein d'années, essayent de faire une différence entre être antisémite et retweeter un tweet antisémite. C'est-à-dire vous pouvez le comprendre. Mais je comprends qu'eux aient envie et soient là-dedans, vous savez. Attendez, c'était pas... Les proches font souvent ça, regardez, sur l'assassin de Trintignant. Bertrand Cantat. Il y avait eu un appel pour l'honneur de Bertrand Cantat, qui était signé par des gens aussi incroyables que Armand Gatti, avait signé un texte en disant « pour l'honneur de Bertrand Cantat ». Les proches font cela. C'est un réflexe de proche. Voilà. Non, ben là, ce ne sont pas des proches. Hein. Chamoiseau, ce n'est pas un proche. Annie Ernaux, ce n'est pas une proche. Je pense que ce sont des personnes qui ont... observer son engagement en tant qu'inspecteur du travail au long cours, etc., ses idées pour la justice sociale, et qui n'y arrivent pas, c'est une dissonance cognitive pour eux, donc ils n'arrivent pas à la résoudre, et ils le font, et ils se disent, c'est l'un ou c'est l'autre, il n'est pas antisémite, je le sais vu que je le connais, et donc je fais cette pétition. Bon, on s'en sort pas moi, avec au final, non, mais moi, au final, comment dire, je pense que Gérard Filoche... Continuez, vous allez vous convaincre vous-même. Continuez, dans 5 minutes, vous allez être convaincu par ce que vous dites. Continuez, on vous les laisse, les 5 minutes. On vous les laisse. Non, mais comment dire, si vous n'aviez pas parlé de ce sujet, je ne l'aurais pas moi-même mis sur la table, vu que... Ah bah ça, on s'en doute. En fait, je m'en fiche un petit peu de Gérard Filoche. Mais on est là Filoche, pour ça. Quoi. Non, moi, je m'en fiche un petit peu de Gérard Filoche. C'est, ah non, mais moi, c'est je ne parle pas de Gérard Filoche. Je vous parle des gens qui souhaitent sauver l'honneur de quelqu'un qui a tweeté des images... Voilà, et des j'essaie propos d'avoir antisémites. Un regard tolérant maintenant. Vous voyez, c'est ça que ça me permet, le fait de... Ça vous va tellement mal. J'étais mieux quand j'étais intolérant. Allez, vous la retrouverez sur C8 le dimanche soir. Attention, parce qu'il y a deux saluts les terriens, oui, le samedi et le dimanche. Les terriens du dimanche. Allez, le salut les terriens du dimanche avec Thierry Ardisson. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mademoiselle Raquel Garrido, Olivier Guez publie la disparition de Mengele. Puis Renaudot, c'est chez Grasset. Et vous pouvez applaudir jusqu'en janvier, après les fêtes encore, au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet.
Adieu Ferdinand, le nouveau spectacle de Philippe Cobert. Merci Philippe Cobert. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. On reviendra seulement début janvier. On vous laisse avec les programmes de Noël sur France 2. Alors passez une bonne fin d'année et un bon début de l'autre qui vient 2018. On sera là en 2018 avec vous. À bientôt.